Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous nous recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 1 heure et demie, à peu près, avec monsieur Alexis Rive. Bonjour. Bonjour, bonjour aux uns et aux autres. On va se lire le chat, ce sera quand même plus pratique pour savoir où sont les gens, ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, s'ils sont de bonne humeur. J'ai vu qu'il y avait du monde. Bonjour, bonjour aux premiers arrivés. Bonjour donc à Guillaume, Antoine, Karine, Laetitia, Chin Tsutsai, Suzume, Mao, Alexandre, Daniel, Florian, Jean. Dis donc, vous êtes hyper nombreux aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est ça, c'est le pont d'honneur pour Alexis. On lui met de la pression pour le faire dessiner. Comme ça, je pourrais. Ouais, comme ça, t'as l'impression. Et du coup, comme ça, si jamais je fais de la merde, moi, je pourrais dire non, c'est parce qu'il y avait trop de monde. C'est C'est ça, c'est ça. impossible. Ouais, non, mais il faut être capable de résister à ça. Ceci dit, on sait que les illustrateurs ont plutôt tendance à être tout seuls dans leur coin face à leurs feuilles de papier. Souvent, oui. Souvent. Toi, tu bosses d'ailleurs comment, en studio ou en solo? Ben là, maintenant, je suis en freelance, du coup, je bosse en solo pour le moment. Donc, après avoir dans le futur où j'en serai. D'accord. Ça, le futur, de toute façon. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite et on a le temps pour le futur. On va parler de ton passé dans ce cas-là. Ce sera pas mal. Il y a quelqu'un qui nous dit, et Guillaume qui nous dit salut, classe Lilu d'arrière-plan. Ouais, c'est d'ailleurs celle qu'on a choisie aussi Je sais pas pour qui le c'est qui l'a visuel. fait, elle est superbe. C'est pas mal, hein. Là, on la voit bien, on la sent bien là, c'est cool. C'est quoi cette illustration? Alors, celle de derrière, alors c'est issu de mon projet personnel, pour le coup, que j'ai commencé en avril dernier, enfin que j'ai commencé à publier en avril dernier, D'accord. et qui s'appelle Spirited. Donc, c'est mon petit univers à moi, je me suis commencé à me développer. En fait, c'était plus une excuse pour essayer de mélanger tout ce que j'aime, en fait, tout ce que j'aime dessiner ou que j'aime voir, dans un seul point, et comme ça d'avoir une espèce de monde dans lequel je serais jamais en manque d'inspiration. Ouais, tu pourrais toujours te renouveler, tu pourrais Toujours, parce qu'il toujours y a toujours avancer plein de monde, dessus. parce que je suis pas. Certes, j'ai des personnages principaux, tout ça, j'ai des petites histoires, mais je peux toujours me déplacer sur d'autres D'autres éléments de ce sujets, monde. Voilà, d'autres. je suis vraiment libre. Ce qui fait que depuis, j'ai plus vraiment eu de blocage, tu vois, en termes d'aspiration. Peut-être plus des blocages de création, c'est autre chose. Ça, mais de toute façon, le creative block, c'est un truc qui arrive visiblement à tout le monde. Souvent, on se rend compte que bah, dessiner, c'est pas forcément toujours amusant, quoi. Pas toujours? Pas toujours, hein. C'est pas juste ce hobby merveilleux. Ouais, non, parce que les gens disent, ouais, mais t'aimes ça dessiner, hein, mais le dessiner, c'est quand même chiant. C'est le résultat qui est bien. C'est quand même du travail, tu vois. C'est ça, t'aimes bien regarder des images, et du coup, En fait, j'aime passer. bien finir, ouais. Je comprends ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais partager ton ArtStation, peut-être. C'est pas une mauvaise idée, je vais Je vois partager pas ça. l'écran. Ça, on va se mettre dans un petit coin, ça permettra de te C'est quoi retrouver. ici? Pour les gens qui s'étaient habitués au fond bleu, c'est juste parce que comme on va utiliser un petit peu Photoshop aujourd'hui. Je m'étais dit que le fond bleu dessus, ça le faisait. Mais en réalité, donc c'est ce personnage-là qui fait partie de Spirited et on retrouve énormément d'illustrations dessus. Yep. Donc Donc, c'est vraiment les trucs les plus récents, quoi. ce que tu l'avais commencé un peu plus tôt, on retrouve un Un peu peu plus les. tôt, bah, c'était en fait, j'avais le personnage dans l'illustration que j'avais fait pour le coup pour l'école. C'était vraiment un exercice scolaire. Et du coup, le personnage, bah, je sais pas, à chaque fois, il revenait dans ma tête. Je me disais, je l'aime bien, tu vois. Je me disais, j'aimerais bien faire quelque chose et tout. Puis au fur et à mesure, je te dis ça a pris 5 ans hein, que ça prenne vraiment forme, tu vois. Oui, c'est parce que là, on a l'impression que Ouais. c'est deux Non, c'est jours. pas genre, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un truc. Non, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu sais, que je jouais à des choses, regardais des films ou des séries, à chaque fois, j'avais un petit élément qui disait, tiens, j'aimerais bien rajouter ça dans mon petit monde. À chaque fois, Je veux bien rajouter cet élément. voilà, c'est ça. Puis à force, je me dis, mais comment faire pour que tout soit cohérent? Ce qui fait qu'à force, tu te crées toi-même ta logique de ton univers, tes règles et tout ça. C'est vrai que là, pour le moment, je suis assez content. T'es assez Ça marche content, bien, mon truc marche bien. ça fonctionne bien, le Là truc pour se. le moment, j'ai pas encore montré tout ce qui existe, donc je suis vraiment qu'à l'ébauche hein, du Parce projet. que quand tu dis t'as pas en montré tout ce qui existe, toi t'as dessiné J'ai tout. pas dessiné tout, j'ai disons que j'ai tout dans la tête. Mais comme je t'ai dit, c'est toujours le. Faut avoir le temps de le faire, et puis dessiner, comme j'ai dit, c'est pas toujours amusant. Du coup, bah, il y a des moments où t'es. Dans des périodes où t'es super créatif, y a pas de problème, et T'es des moments dedans, où. c'est la Bah, fête. voilà. Et des moments où tu te dis, non, j'ai pas envie. Alors, si on revient un petit peu sur ton parcours, on le fait démarrer quand? On le fait démarrer sur l'ArtStation ou t'as des choses à nous raconter sur ton passé? Alors, après, j'ai mangé des petits dossiers, bien sûr, hein, parce que. Mais la question, c'est est-ce qu'on les garderait pas pour les gens du soir, hein, Ouais, ces je pense trucs-là? qu'on va les garder pour le genre du soir.
Du coup, on peut, sachant, parce que, en fait, pour la petite histoire, j'ai deux comptes Deviantart. J'ai un premier compte sur lequel je faisais des trucs, mais j'avais pas de tablette. D'accord. Donc, pour te dîner, c'était à la souris. Ok. Donc, sur Excel, Paint ? Non, pour que c'était Photoshop. Hein. J'ai découvert Photoshop d'accord. quand j'avais pris des cours de Photoshop. Et je découvrais les joies de la souris en me disant, mais comment est-ce qu'ils font, les gens qui font des extensions incroyables sur Deviantart, mais c'est pas possible. Il y a un truc, ouais. Puis après, plus tard, j'ai découvert la tablette et je me suis dit, je vais faire un nouveau compte pour un peu plus neuf, un peu plus à jour. Du coup, là, c'est DeadSlug pour le coup sur Deviantart. D'accord. Et là, t'as quand même des vieux trucs. Hein, des... Ok. Slash, DeadSlug, il y a des espaces et des trucs comme ça ou pas ? Non, là, c'était vraiment DeadSlug. Personne n'avait C'est ça. Donc celui-là, c'est le premier ou c'est le deuxième ? Non, c'est le deuxième. Une version de Deviantart, oh là là. Oui, on se croirait sur Arcestation. Je me suis dit, ouais, c'est Arcestation. Ah, c'est Arcestation, en fait. C'est là, mais il faut aller tout au début. Là, vous voyez, là, c'est beau. Alors, attends, où est-ce qu'on trouve tout le début ? DeathSlug, Galerie. Yep. Hop. Voilà, ah oui, non, mais il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y en a beaucoup, hein, c'est sur, je sais plus combien d'années. Le premier truc que j'avais mis, je crois que c'est en 2009-2008. Pour dire que voilà, j'ai produit... Donc là, plus tu descends, plus ça... Déjà, on sent que t'avais du papier à l'époque. C'est le début, là. C'est ça. Alors tiens, il y a du coup... En plus, il y a des trucs qui sont même pas dans l'ordre, parce que ça, c'est mon premier dessin que j'ai posté sur des lanternes. J'étais fier de mon travail. Mais ouais, mais attends, il faut bien démarrer sur des trucs, sinon c'est pas drôle. Tiens, regarde, le Art & Talk de ce soir, c'est à l'adresse que vient de donner Alexandre, hein, pour ceux qui se demandent ce qu'on est en train de faire avec Alexis, d'ailleurs. Pourquoi je te reçois aujourd'hui ? C'est parce que ce soir... tu es en direct sur Paris dans une session qui est donnée par Yamag, france.yamag.co. Vous avez le lien dans le chat. Là, je ne savais pas. Tu savais pas qu'il y avait. Quelle surprise. Toi, tu connaissais que Yamag.co ou tu savais pas que ce soir t'intervenais aussi. Je savais pas, on m'a dit viens. Ouais, viens, tu vas voir et tout. Il y a à manger et tout, ça va être sympa. Bien, dans les bureaux, voilà. On va passer à une autre image. Hein, c'est là. Le best-of. Et du coup ouais, tu vas être avec nous ce soir, et tu es avec nous pendant une petite heure, on va pouvoir parler un petit peu et te voir dessiner tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois encore ? Karl, bonjour Alexis, j'ai 25 ans, je suis étudiant en master 2 d'édition, j'ai commencé à étudier, je cherche un stage dans le milieu de l'illustration. Mon niveau pas de stagiaire. Hein, c'est ça. Tu cherches des stagiaires freelance. Parce qu'on a beaucoup envoyé de demandes de stage, je sais pas pourquoi. C'est ça. Je voudrais répondre aux gens qui voudraient me demander un stage, ça sert à rien parce que je vais pas vous donner du travail. Quoi. Venez chez moi, ouais. Vous allez me voir en slip, limite, c'est pas forcément très passionnant. Je vais pas vous dire, tu vas dessiner dans un coin. T'es en train de spoiler ce soir. Il faudra manger au moins, au pire. C'est ça. Et donc, ouais, quand t'as démarré ça, 2009, tu me disais... par contre, là, on est déjà sur la couleur en numérique. Oui, là, j'avais la tablette. Donc tu avais abandonné le doigt. C'est pas le même style, c'est pas la même façon de dessiner. Ouais. J'aimais bien mettre des fonds un peu dégueulasses. Je me disais, c'est bien. Ça fait de la matière, ça change de la feuille blanche. Parce qu'en fait, au début, j'étais extrêmement influencé. Enfin, il faut quand même raconter un petit peu ma vie. Et alors là, je découvre les consoles, les jeux vidéo, tout ça. Et donc, du coup, je joue pas mal à la PS2. Et surtout les séries de jeux, genre tout ce qui est Ratchet & Clank, Jack & Daxter et Sly, c'est un peu la même. Donc tous les trucs de plateforme, ce qui fait que ça m'influence beaucoup, surtout les Ratchet & Clank, c'est un peu devenu c'était un peu d'une religion à l'époque pour moi. Et à un moment donné, je découvre genre les nouveaux Ratchet & Clank sur PlayStation 3, parce que la nouvelle génération est arrivée, et ils publient en même temps des illustrations. Et là, je suis tombé amoureux, vraiment, c'était un style que je trouvais tellement énergétique, il y avait de super couleurs, et je me disais, je veux faire ça. Vraiment, c'est dans ma tête, je suis devenu focus sur ça. C'était pour le coup le style de Creature Box, plus précisément de Dave Girton, je ne sais pas si tu connais. Non, pas encore. Ben, allez voir, c'est super ce qu'ils font. Et du coup, j'étais devenu un peu obsédé par ce style. Vraiment par le style, par la... Au début, je voulais vraiment juste être comme lui, en fait. Le même, y a toujours une phase d'imitation. D'imitation, c'est ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça arrive à un point un peu limite, c'est à moi, j'arrivais à faire ce que je voulais. Ouais. Après, je me suis dit, il faut autre chose, tu vois, c'est genre, j'ai fait ça, je me dis, j'aime bien dessiner quand même. Peut-être pas me contenter que ça, tu vois. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à dessiner, je voulais pas encore travailler dans le jeu vidéo ou dans l'industrie, c'est vraiment juste pour le plaisir, parce que je venais de découvrir Deviantart, c'est comme ça que je me suis mis à dessiner. Ouais. Parce que je découvrais en fait que y avait pas. Je pensais que les artistes étaient morts avec les peintres, tout ça, mais là en fait, il y avait encore plein d'artistes qui étaient allés, qui mettaient des trucs super. Varie, comme je te disais, je ne savais pas comment ils faisaient. Je me disais, mais c'est la peinture, c'est quoi, c'est la souris. Puis du coup, ça m'a donné envie de travailler, de dessiner. C'est plus tard, au fur et à mesure, quand je me suis mis à jouer, il y a vraiment eu un jour
où j'ai bah, quand j'ai c'était avec le jeu Uncharted. D'accord, ouais. Ils avaient mis dans les bonus, je me rappelle, c'était une vidéo de making of, enfin sur l'ambiance des studios. Et Ouais, je j'avais me rappelle. tellement, pardon, et j'avais tellement aimé l'ambiance, je me suis dit, mais j'ai envie de bosser là-dedans en fait. Et ça m'est resté pareil, un truc focus. Ça m'a drivé en fait sur tout le long Ça t'a de mes guidé sur la études. Ouais. suite. C'était en mode, moi, en fait, je savais ce que je voulais faire. Je voulais dire, je veux être concept artiste, c'est ce que je veux faire. Donc c'est pratique, quand t'es jeune et que t'as ça, bah tu. Ouais, ça Bah, donne un donc là, objectif. tu sais à peu près où aller dans les écoles et tout ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as choisi ton parcours par la suite. Voilà, bah d'abord, je suis arrivé dans le lycée L'Initiative, qui est Ouais. un lycée bac pro AMA, artisanat et métier d'art. Donc là, je me suis dit, waouh, wow, bien dessiner et tout, ça va être super. Ça allait, mais disons, on n'a pas fait beaucoup de dessins. On a fait quand D'accord. même beaucoup de croquis, quand même, ça Ouais, va. Mais, c'est en même temps, c'est normal, t'as le lycée, t'as toutes les autres matières qui sont pas très amusantes. ouais. Oui, Ah, bah, il Non, faut mais bien quand même. faut balancer, faut équilibrer. Mais à partir de ça, moi, je savais à peu près, je me disais, c'était à la fin quand j'avais presque mon bac, quoi. Je me disais, mais je fais quoi après? Genre, est-ce qu'il y a des écoles pour ça? Puis du coup, bah oui, il y en a, des écoles. Donc j'ai découvert SupinfoGames, Rubika, ce qui Ouais. m'a permis de me dire, bon, bah, je sais où je veux aller. C'était voilà, l'école du jeu vidéo, comme on dit. Ouais. Et du coup là-dedans, c'était ton parcours, tu savais vers quoi t'allais. Voilà, en vrai, c'était pas, je ne disais pas je veux être ça, mais je veux. Donc je savais au moins qu'est-ce qui pouvait me permettre de réussir. Et c'était un parcours en combien de temps? Alors tu viens à partir de quel point à peu Ouais, près? je sais. De Alors quand tu. de ta naissance Ah jusqu'au Non, non, bah si tu. plus. Bah déjà, bac pro AMA. Enfin, il faut savoir que même avant le bac pro AMA, j'avais fait une école d'art. C'était près Ouais. du Louvre, je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais c'était des. Ça fonctionnait en demi-journée. Ce qui fait que c'était D'accord. super. C'était hyper cool. Et on faisait que dessiner. Et surtout, il y avait toujours le principe, c'était, je crois, on avait des pauses entre les cours de 20 minutes Ouais. où on pouvait faire que des petits croquis. Du coup, pendant ces moments-là, je ne faisais que croquer, croquer, Ah, c'est croquer. cool. Ce qui fait que j'ai eu quand même une petite, on va dire, pas longueur d'avance, mais j'avais un bon niveau déjà en arrivant à l'initiative. Sur là, ça a duré 4 ans. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps parce qu'il y avait une section spécialement dédiée à la bande dessinée. C'est-à-dire que là, on D'accord. faisait que dessiner pendant toute l'année. Mais à l'année où je pouvais entrer, ils l'ont supprimé. J'étais un peu triste. Parce que du coup, Donc. t'avais aussi une inspiration BD avant même les jeux vidéo, avant Uncharted, Bah, avant. c'est sûr, plutôt, je me disais, le BD, bah, on dessine. Du coup, j'ai envie de dessiner. Tu vois, je savais pas encore totalement, je disais, je veux le jeu vidéo, mais je veux toucher un peu à tout, Ouais. tester, tu vois. Donc, bah, après, voilà, ça a duré 4 ans. Puis, SupinfoGames, qui a duré 5 ans. Et enfin, j'ai fini à Ubisoft, à travailler sur Ghost Recon Breakpoint, qui sortira le 4 octobre. Oh là là, mais on est vachement en avance. Eh oui, dommage, je ne pourrai rien vous montrer. Vous ne pourrez rien voir que les affiches promo et tous les Ah, bah, éléments je qui pourrais vous doivent. dire ce que j'ai fait. C'est ça. Je vous montre ce détail-là, c'est moi, cette image, c'est un. Alors, en vrai, j'ai fait beaucoup de trucs, hein, je t'avoue. Bien sûr. Et du coup, donc là, quand plus on remonte, plus on Là, tu commence à vois trouver que des là, c'est choses. pas la même chose, hein, ça change C'est vraiment. plus la même chose, on sent que En tu fais fait, il y évoluer. a un Vas-y, moment vas-y. donné où ça. Attends, il faudrait. On descend. Oui. À un moment donné, il y a eu un point où Ah. ça a commencé vraiment à changer. Ah, tu me piques Alors, ma question attention, de attention. quel est ce Alors, c'est là, point. attention, attention en arrière. Attention, attention, attention. Là, Là, celle-là. celle-ci. C'est où j'ai complètement changé ma façon de faire. Parce Ouais. qu'au début, je travaillais toujours un peu bah, comme la Creature Box, quoi, Dave Gurton. Il faisait beaucoup d'abord de croquis, tout ça, des petits croquis crayonnés. Puis après, par-dessus, il refaisait ses lignes très proprement, ça pour que ce soit bien clean. Et je me suis dit, bah, j'en ai un peu marre, je vais changer un peu complètement. Du coup, je vais pas faire de lignes, je vais juste travailler à la tâche. Du coup, j'ai pris un D'accord. broche, j'ai commencé à faire un truc. Et surtout, j'avais découvert un autre artiste qui m'a beaucoup marqué. C'était Ashley Wood, je sais pas si Ouais, tu vois ou tu vois ouais, pas. ouais. Du coup, je suis vraiment pareil, tombé amoureux de ce truc. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc. Là, je me suis dit, je vais pas faire pareil, parce que lui, il fait à la gouache, du coup. J'essaie de faire un truc qui ressemble un peu. Du coup, j'aimais bien faire avec des soldats, des trucs comme ça. Parce que pareil, je commençais aussi beaucoup à être influencé par les jeux vidéo plus réalistes. Parce que pour Ouais. le coup, je changeais de style. Du coup, je me suis dit, ah, j'aime bien les soldats, c'est cool, c'est stylé. J'aime bien faire des trucs avec les masques à gaz, parce que moi, ça m'évite de faire des visages. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des trucs un peu comme ça. Et c'est vraiment là, tu Et verras c'est qu'à partir de là, il y en a pas plus. y a un C'est un paquet peu voilà, de c'est. d'illus où tu commences Et je continue bien sûr entre-temps à faire encore des trucs un peu à la Creature Box, mais je sentais que c'était un peu la fin, quoi. t'étais ouais t'étais en Là, train de je m'amusais, mais transitionner. disons que c'était un peu le pot final. Je dis, allez, on se fait plaisir. Donc tu oublies complètement line à ce moment-là et c'est reparti sur les Voilà, j'en matières. reste beaucoup. Bah, j'en fais toujours un petit peu, mais je me concentrais vraiment là sur l'idée de changer complètement, d'essayer de me trouver en fait moi-même, de trouver mon propre style. Très bien, très bien, très Parce bien. qu'en fait, c'était un petit peu avant. Là, le changement s'est arrivé un petit peu avant de SupinfoGames. Du coup, je me disais, ouais, D'accord. je voulais changer un peu.
Parce que sinon, je me disais, on va me faire le reproche de ouais, t'es juste. Tu fais qu'un truc. Ouais, t'es juste un clone, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, au début, on faisait la remarque, parce que j'avais pas le temps de beaucoup faire des choses différentes. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai réussi à. J'estime à faire des choses assez différentes. Je suis assez content. Ouais, carrément. Puis, enfin, je pense que c'est important quand tu commences. Parce qu'on peut parler à l'époque du moment où tu commençais, là, c'est un peu plus avancé. Mais quand ah, tu, là, quand ça tu commence, ouais. démarres, il y a toute cette phase de copie, toute cette phase En fait, c'est, d'appropriation je du suis un peu style. dans l'idée, c'est l'apprentissage, c'est pas une forme d'autoroute, tu vois. D'abord, tu as une grande ligne qui monte très vite. Puis à un moment donné, tu arrives un peu ta zone de confort, ta première zone de confort, entre guillemets. Où là, c'est que tu commences à être content un peu de ce que tu fais. Tu dis, c'est pas mal. Il y a un petit truc. Il y a un Puis quand truc, ça commence à ça arriver, vaut le tu. coup. Ouais, quand tu commences à en avoir, c'est vraiment le meilleur moment. Et c'est là aussi où la frustration arrive parce que tu as fait quelque chose de bien, mais tu as envie d'en faire d'autres, des trucs bien. C'est dur. Du coup, bah, tu passes par beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs. Donc c'est une période assez difficile où il faut vraiment persévérer. Puis à force, tu commences à te structurer, à trouver tes réflexes, tes habitudes. Ce qui fait que, bah, à la fin, tu commences à avoir ton propre style, en fin de course. C'est un peu le but. Réussir à se démarquer un peu des autres artistes. Carrément, carrément. Et donc là, ouais, on sent que tu abandonnes le line, il en reste encore un tout petit peu sur sur Donc le en fait, dessin. en donné, après je me dis, ce serait marrant de mélanger un peu les deux des fois, tu vois. Là, il est quand même citré. Quelques petits traits, des fois de temps en temps, je me dis, oh, je vais mettre un peu de détails. Donc là, voilà, c'est. Là, je commençais déjà à être un peu moins inspiré, je me dis, oh, c'est un peu chiant. Là, c'était un travail d'école pour le coup. Et je teste aussi à ce moment-là, depuis un petit moment, mais je cherchais encore tout ce qui était niveau animation, manga, tout ça. Donc D'accord. j'aimais beaucoup ceci, je me dis, ce serait marrant si je mélangeais l'animation avec un peu de Creature Box et du Hello World. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je Qu'est-ce commençais ça? que c'est? Et du coup, bah, pendant très longtemps, j'ai essayé de trouver un style manga qui me plaisait. Donc j'ai vraiment essayé plein de trucs, plein d'effets d'yeux, tout ça. Il n'y a que vraiment très récemment, j'ai commencé à avoir un truc qui me plaît. Parce que je n'ai pas arrêté de changer. À chaque fois que je trouve un Ouais, nouvel donc. artiste japonais, je me dis, oh, j'aime bien cette façon de faire, du coup, je vais faire pareil. Et donc, ouais, ça c'était ta première grosse rupture. Là, à partir de là, c'était là j'arrivais à Super Info Games, ce qui fait que il y avait le cadre, mine de rien, Ouais. entre étudiants, T'es en entre fait on se étudiants, pousse. tout le monde, Voilà. y a Il y l'émulation. avait quand même de bons artistes, pas tout le monde. Après, tout le monde n'est pas forcément dessinateur, mais on se poussait entre nous, quoi, à créer. Donc ça influe. Puis l'école nous forçait un petit peu à essayer de sortir des sentiers battus, chercher, tester des trucs. Après, bon, pour ceux qui voudraient aller à Super Info Games, n'y allez pas parce que. Enfin, j'ai pas dit. Enfin, si, n'y Sympa. allez pas en N'y vous aller. disant. Que ça va être une école de graphe, vous allez apprendre à dessiner, c'est un travail de sur soi, hein. Ce qui vont plutôt vous permettre de réfléchir. Ouais, ça de toute façon, c'est ce qu'on voit de plus en plus. L'école, ça devient un cadre sur le autour du dessin, mais le dessin, il faut l'acquérir soi-même, Oui, bah c'est un travail sur soi, il n'y a pas de formule magique, hein. Les artistes n'ont pas de rituel, hein. Ils ne pourront pas vous transmettre votre force en vous touchant. Y a pas ça, Ah y a non, pas. ça. J'aurais bien aimé. Tiens, il y a Karine qui demande s'il y a des places à gagner pour ce soir. On va voir, on m'a dit, oulala, on a des nouvelles chaises, elles sont beaucoup plus larges, Incroyable. on peut faire gagner beaucoup moins de On peut mettre place. deux personnes dessus. C'est ça va être moins pas si simple, mais Répondez à on va la essayer de question leur faire. suivante et appelez sur les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Et là, les gens vont chercher un numéro de téléphone. Mais non, c'est une page C'était une déviante. blague. Et sinon, on fera passer le numéro de téléphone de Benjamin Très bien. directement. Ce sera un bon choix. Donc là, en fait, ça commence à être des images d'ailleurs que On j'ai est vu du travail, passer ouais. dans le Art Station. Ah, Donc c'est à y a ce partir de moment où ce tu. moment-là où j'ai découvert Station et où en fait j'avais déjà plein de trucs que j'estimais être suffisamment de bonne qualité pour mettre dessus. Ce qui fait que j'ai balancé un peu, genre une trentaine d'illustrations d'un coup. Ce qui fait que je me suis fait quand même assez repérer assez facilement. Parce que bon, quand t'es dans récent, tu vois que mes trucs, bah, tu cliques. C'est ça. Peut-être par réflexe. Ce qui fait que j'ai Genre eu. bon, on va voir peut-être. J'ai fait par ma petite place au début, ce qui fait que j'étais assez content. Et c'est la partie. Et Art Station m'a aussi fait. M'a pas mal changé parce que la. Art Station c'était tellement genre. Différente de Deviantart. C'était tellement plus propre. Et surtout, c'est que je me remarquais qu'il y avait des artistes que j'admirais qui commençaient à me follow. Ça D'accord. te fait quelque chose C'est en vrai. le Tout bon quand retour, quoi. t'as. Surtout dans ma tête, je suis toujours le petit gamin qui commence. Tu vois, quand t'as des grands noms qui commencent à te follow, des gens qui t'ont inspiré, tu trembles un peu. Ça te motive en vrai parce que tu dis, ouais, il me regarde, il me juge.
Ils te jugent, et là, Bon, je suis sûr qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre, mais... Ah bah si, si, je pense qu'il y a toujours la partie inspiration, il y a toujours... Mais est-ce que du coup, toi, les gens qui t'inspiraient, tout ça, et qui ont commencé à te follower, t'as eu l'occasion de les croiser, de les rencontrer, d'échanger avec eux, Certains, ou... comme j'avais croisé Neskane durant un stage, donc ça c'était un grand moment, parce que j'admire énormément ce monsieur et son travail. Alors s'il nous regarde, ça m'étonnerait, mais je fais des bises. Et bientôt, bah, j'irai à Angoulême, j'irai rencontrer d'autres artistes. Parce que mine de rien, bah, on ne vit pas tous au même endroit, hein, donc c'est Non, pas vous facile vivez de pas, se relayer. il faut Donc là, au moins, réussir à je peux au trouver les moins rencontrer occasions. les Ouais. artistes français, c'est déjà ça. T'as tous les Français à Angoulême. Après, si tu veux rencontrer les artistes internationaux, c'est à IAMAG, sur les Yamag. masterclass qui ont lieu au mois de Acheter mars. au billet, c'est un petit peu de pub. C'est ça. Non, mais ça, je pense que les gens vont trouver directement. Oui. Tout le monde est au courant de l'existence de IAMAG, IAMAG.co, sur le site. Vous cherchez masterclass du 6 au 8 mars. On me fait des signes derrière, c'est La régie nous merveilleux. fait des signes. La régie nous fait. Ouais. La régie et l'installation. Je vois qu'il y en a qui savent, qui sont déjà au courant, hein, pizza. Ouais. Ils sont là pour ça, quoi, Ils comme sont là pour la pizza ou ils sont là d'hab. parce qu'ils étaient déjà là, ils ont Je déjà eu des demanderai, donc je pizzas? dirais, bon, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la pizza? Ouais. Donc, Qui franchement, n'est venu que pour la ils diraient, pizza? bon, sinon, je vais vous laisser tranquille, vous n'êtes pas forcément intéressé par ce qui se passe. Et du Ah, coup, attends, ah, reviens sur vas-y, le. ouais, sur celui-ci. Alors, celle-là, c'est une très importante pour moi, Vas-y, parce que c'est un raconte. peu le début, je dirais, de ma carrière, si je puis dire. C'est un peu celui-là où ça m'a. Il y a un truc, pour raconter l'histoire de cette illustration, c'était un exercice d'école, tout con. En gros, on nous disait, faites une illustration qui se base sur le principe d'un dégradé, c'est-à-dire d'une D'accord. couleur ou de lumière. Donc là, tu vois, il y a une espèce de petit dégradé. Il faut savoir que pour l'exercice, j'ai pas eu une super note, parce qu'en soi, c'est pas très bien dégradé, mais il faut savoir que quand j'ai posté cette illustration, je m'attendais pas à avoir un tel retour. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Kotaku qui a fait un article sur cette illustration. Ah oui, direct. Ouais, genre il avait dit ouais, genre peut-être il partage de temps en temps des trucs cool. Ce qui fait que bah tu sais je rentrais chez moi, je me disais tiens alors on est où en fait niveau illustration là pas bah, 10 000 likes, 100 000 vues, enfin des tas de commentaires et surtout plein de gens qui me contactaient pour freelance, des trucs comme ça. Et c'est vraiment celle-là, je me suis dit bah ça y est, t'es pas dans la cour des grands mais tu commences, là, tu te dis j'ai fait quelque chose. C'est-à-dire que tu as démarré au level 23, tu es passé à C'est un peu 64 et à ça, la ouais. fin de l'illustration, tu étais... Ah, disons que là, c'est plutôt moi, c'est actuellement, je suis au niveau 64, et là, c'est un petit peu le futur qui est devant moi. Et ça donne une bonne motivation, un bon coup de boost quand tu as comme Ah, ça un truc public. en vrai, pendant 2-3 semaines, j'étais chaud, quoi. C'était genre le roi du monde. Allez, C'est un peu ça, tu je vais en faire une deuxième comme ça. Et te. alors, est-ce que la Et sauf deuxième que. arrive tout de suite? Non. Mais en vrai, durant cette période, j'existais, c'est un peu une de mes périodes les plus productives, ou pas forcément productives, mais les plus créatives, où je prenais vraiment plus mon pied. C'est un peu cette période-là où, des fois, de temps en temps, je sens un coup de mou, je reviens vers ce que je faisais à cette époque, Ouais. pour me remettre un peu le petit truc, quoi. Parce que des fois, c'est avant ce moment-là où je commençais à me trouver en tant qu'artiste, en tant que style. Et des fois, quand je commence à déprimer, ou je commence à faire des trucs qui me plaisent plus, je me dis, reviens un peu en arrière, regarde ce que tu faisais avant, où est-ce que ça a merdé, et tu reprends ton rapport à Tu partir du reprends, tu principe. recommences, tu Voilà. nettoyer. C'est pour ça maintenant que j'ai commencé mon projet Spirited parce que avant je commençais vraiment à pas aimer ce que je faisais. Vraiment, j'ai fait pas mal d'échecs, si je puis dire, personnels, sur des illustrations, ce qui fait que je disais, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Voilà, reviens en arrière. Et là je dis, ça fait longtemps que tu veux le faire ce truc, Ouais. fais-le. Et là j'ai commencé. Donc t'as abandonné un peu les squelettes, t'as gardé les masques à gaz. Voilà. Les squelettes, c'est toujours Il y a une toujours marque un de peu quand même fabrique. Hein. quelques-uns. Les gars, Ouais. faut savoir que les squelettes, je dessine depuis que je suis tout petit. Depuis 6 Depuis ans, six j'adore ans. faire des crânes, tout ça. Et d'ailleurs, les profs avaient peur. Ah bah oui, parce que Ah non, si à 6 ans tu dessines que des crânes. sauf que moi, c'est juste parce que j'ai trouvé super stylé. Je trouvais ça si classe. Donc ça Heureusement, j'avais c'est. des parents très compréhensifs. À quel moment tu t'es. Enfin, c'est en 2015, tu t'es dit, tiens, je vais me faire une timeline improvement, voir où j'en suis, d'où je viens. Bah ouais, parce que c'était un peu la mode sur DeviantArt où il y avait beaucoup qui faisaient ça, beaucoup d'artistes. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de regarder un peu de quoi t'es parti. Et je me suis dit, ça fait un beau dégradé. C'est ça. Avec une manière de calmer les couleurs à la fin. Ah ça, bah, surtout, je remarque que des fois, quand tu remontes, il y a beaucoup des fois des couleurs qui reviennent, des fois du vert, du rouge, du rose. Il y a des périodes comme ça. Enfin, c'est en fonction des fois des techniques que j'utilisais sur Photoshop. Parce qu'au début, pour finir l'illustration et mettre de la couleur, j'utilisais simplement un niveau. Où Ouais. je mettais un peu de bleu, un peu de rouge, pas plus. Puis après, j'ai découvert le gradient map. Et là, ça a changé Là, ma vie. c'était Là, c'était la révolution. voilà, la révolution. Faudra que tu nous montres ça tout à l'heure si c'est. Si on a le temps de faire un truc un peu propre. Il y a Zo qui dit ah bah super le prof. Ah ouais, non mais
Bien sûr. Super, mais c'est un super positif ou c'est un super. Ouais, c'est ça, Genre, c'est en mode, c'est c'est genre quoi ce une grosse. ton ironique? Sur quelle partie Ouais. J'ai regardé la question beaucoup trop tard. Il va nous répondre, j'espère. Dans 30 secondes, D'accord. on lui laisse Le le temps du lag. décalage. Parce que nous, on est dans le futur. Nous, on est dans le futur, un tout petit peu avant vous, pas beaucoup, hein, mais. C'est moi vous dire qu'il y a déjà eu 3 guerres mondiales depuis. Et encore, on a remis en place l'heure de l'ordinateur. Eh oui. En plus, on était vachement Deux plus fois. décalé. Ouais. Donc tout ça, en fait, ça, à quel moment du coup tu sors de Super Info Game? Alors, à quel moment là tu peux y aller? Le vrai Et truc, c'est à partir. Vas-y. C'est le moment où j'ai posté en fait mes pro. Voilà, c'était mes trucs de ici, projet de fin d'année. ouais. Parce que tu sais, à la fin des 5 années, bah, le but c'est de faire un jeu avec une équipe. Ce qui fait que là, nous on a été sur notre projet, les Nazgardiens. Guardian. Ouais. C'était un projet très sympa en termes artistiques, on s'est vraiment fait plaisir. Du coup, j'étais directeur artistique dessus, du coup, j'avais vraiment beaucoup de pouvoir en termes artistiques. Après, on n'était que 3 artistes, c'est-à-dire que c'est un T'avais du animateur. pouvoir sur trois. Une qui faisait de la 3D et moi qui faisais les dessins, du coup on se répartissait les choses comme suit. Hein. Donc je faisais la plupart des concept art, pour tous. D'accord. Et ça fait la pression, parce que si c'est le Ça fait projet de fin d'année pour tout de le la pression, monde. mais en même temps c'est assez détendu parce qu'on venait sortir du stage de 4e année. Mon stage que j'avais fait c'était à Fortiche Productions, ce qui fait que là j'étais avec des monstres. Et ce qui m'avait un peu boosté, tu vois, en sortant de ça, c'était un peu plus léger, tu vois, parce C'est que ça, il y tu avait dis, un c'est rythme bon, je assez. suis passé à quelque chose Ouais, de. t'es prêt en fait. Tous les étudiants le disent, là, souvent c'est à la 5e année, tu te sens un peu, t'es en mode, ouais, je suis prêt à aller dans le grand monde. Ce qui faisait que ouais, j'étais hyper détendu dans ce projet. Et alors du coup, Alors, cette soutenance s'est bien passée ou cette là, on a une la moins bonne note par la contre. moins bonne note, bah tu vois, regarde, et du coup il nous répond, c'est dans le sens où l'image a explosé sur le web, mais le prof a mis une mauvaise note. Ah oui, Ah non, c'est pas oui. toi, c'est. Ouais. En soi, non, j'ai pas respecté l'exercice. Hein. Ouais. Juste que je me suis trop fait plaisir avec cette situation, du coup, à la fin, voilà, ça, j'étais un peu sorti du cadre. Donc, pas très scolaire, n'écoute pas les instructions de Voilà, ça. ses Après, professeurs. je te dis mauvaise note, c'est une mauvaise note pour moi, parce que genre, c'était un 15, tu vois. Ouais, j'imaginais un Parce que. 19 et demi. Ah non, c'est. Enfin, les notes comme ça, c'est que ce que j'avais quand j'étais au collège, tout ça. C'était vraiment la matière où j'étais le roi. C'était le C'est ça, truc, ça. c'était le Le moment où moment tu où restes. ça y est, je peux briller un peu. Et donc, ouais, là, c'est quand tu commences à rentrer chez Ubisoft. Le projet des sorcières, c'est là, c'est le début d'Ubisoft en fait. Du Ouais. coup, je m'étais dit, tiens, j'ai envie de faire. J'aimais beaucoup faire des sorcières. Chaque Halloween, je me suis dit, j'aimerais bien en faire plus. Pourquoi tu te limites? Et tu t'es fait un mois de sorcière. Voilà, j'ai pas arrêté en fait. C'était ton Inktober Ouais, c'est un peu ça. Mais là, d'avril. c'était pas sur un mois, c'était sur un peu plus. Sur 6 mois, je crois, j'en ai fait. Ouais, six Je suis mois, mais vraiment. t'en postes une tous les 2 jours. C'est Ouais, parce que en Ah oui, non, fait, j'aime. tu les as postés En fait, bien j'aime après, bien c'est les ça. accumuler pour pas mettre de pression en fait. Ouais. Et comme ça, quand tu. C'est quoi C'est ça, ou c'est. ta quantité minimale pour poster une série? Ça dépend des fois, c'est quand c'est une illustration qui est unique, comme celle-là par exemple, je vais pas commencer à accumuler, donc je la balance. Mais par exemple, Spirited, tout ça, j'ai accumulé en fait. Parce que Ouais. pour pas me. Parce que si jamais le début de Spirited faisait un peu de bide ou ça plaisait pas aux gens, ça m'aurait un peu miné, tu vois. D'accord. Ça m'a empêché de travailler, c'est pour ça que des fois, j'aime bien me couper et dire, ok, maintenant tu vas bosser que sur ça pendant un moment, tu te coupes un peu des réseaux sociaux, tu t'intéresses pas au like ou tout ça, puis Et ça, c'est tu une seras plus démarche détendu. qui est facile à mettre en œuvre, justement, s'extraire du réseau social, C'est, tu vas pas te connecter, ou alors tu vas te connecter mais tu te dis bon je vais imposter puis après Ouais. ça dépend des générations parce qu'aujourd'hui notre génération elle est très Insta, il faut vivre sur internet, si tu ne postes rien tu n'existes pas, donc après il faut juste faire un peu violence Et alors, l'Inas Guardian, c'est quoi? L'Inas Guardian qui? Alors les Nazgûl Non, c'était qui un a, jeu pardon. de beat'em all pour le coup qui est pas très bon en vrai. On a eu du mal. Mais ouais, il est très joli. Ça, on peut le dire. C'est pour ça que notre jury, on n'a pas une bonne note, parce qu'en fait, dans notre jury, il n'y avait pas vraiment d'artistes. Et surtout des GD, des game designers. Ce qui fait, ils ont dit, ouais, votre jeu est beau, mais on ne peut pas le noter de manière un peu objective, quoi. Ouais, parce que l'idée, c'est quand même de faire un jeu qui soit fonctionnel derrière, qui a. Voilà. Ça reste un travail d'équipe, mais après, on restait quand même chacun sur notre pôle. Après, c'est comme notre méthode n'était pas forcément. Enfin, le vidéo, c'est assez dur, c'est un média, c'est une technique assez difficile à maîtriser quand même. Parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Ce qui fait qu'on a essayé, nos game designers ont vraiment tenté plein de trucs. Ouais.
Et ils ont réussi à trouver le truc qui marchait le mieux, entre guillemets. Parce que aussi, on avait beaucoup l'école qui nous disait, oui, non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rajouter de la plateforme. Parce qu'on était un peu contraints. Et du coup, jamais réussir à Fait trouver qu'on une a, vraie on a, en fait, on direction. voulait se concentrer à faire une arène, tout simplement, à faire du gameplay dedans et à faire vraiment peaufiner le combat. Parce que c'était pour nous, c'était l'essentiel. Mais non, on nous disait, non, il faut rajouter de la plateforme, ce sera vachement plus intéressant. Et c'est justement, on a mis de la plateforme, on trouvait que c'était pas intéressant. Parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Fait qu'on a dû cutter beaucoup de trucs, ce qui fait que les combats étaient vraiment basiques. Et pas très intéressants. Au moins, on a essayé de pousser le maximum pour ce qui était graphique. On a triché pour beaucoup de trucs pour essayer de rajouter le plus possible. Pour essayer de cacher un peu la misère. Ça peut être le risque dans les Mais au moins, on a illus. fait une très belle affiche. Spirited, de Weeaboo. C'était un des premiers trucs de Spirited. Toujours avec ce côté un petit peu glauque derrière. Un petit peu. Ouais, parce que J'aime bien mélanger ça. les autres illustrations de Spirited sont plutôt presque plus fun, quoi. J'aime bien mélanger en fait. Pour moi, c'est un univers qui peut être soit hyper fun, hyper joyeux, hyper coloré, soit hyper glauque. Parce que dans le principe, c'est ce que j'avais expliqué, c'est un monde qui vit avec les esprits. Et t'as des esprits, les esprits, c'est des grosses bestioles comme ça. Parce que j'aime beaucoup travailler les silhouettes un peu pétées avec des tissus, j'aime beaucoup ça. Donc, pour ça, comme je t'ai dit, c'est vraiment juste ce que j'aime. Et j'essaie de créer quelque chose où je me suis dit, bah tiens, si c'était des esprits, tu vois, pour justifier. Et je me suis dit, il y a des esprits gentils, des trucs voilà, qui vivent en communion avec l'environnement. L'environnement, la Et d'autres qui nature. sont un peu fous, un peu malades. Parce que par exemple, le Weibo, c'est un peu ça, je m'étais dit, en gros, imaginons, comment fonctionnent les esprits dans mon univers, c'est, en gros, j'imagine que c'est les âmes humaines qui se agglutinent en un seul point pour créer une entité. Et je m'étais dit, imaginons si plein d'âmes humaines avaient, avant de mourir, étaient passionnées par tout ce qui était. C'était des Weibo, mais pas forcément, c'était des passions, tu vois. Et si à force d'être accumulé, ça devenait carrément une obsession, et du coup, devenait complètement barge. Et que. Un Nico, truc complètement con, c'est-à-dire vraiment le côté le genre. switch. Alors qu'en ça, le personnage, il a, le monstre, il adore tout ce qui est cute, anime, tout ça. Genre, je me suis dit, c'est marrant de créer un décalage entre le personnage qui a des trucs hyper mignons, mais qui est complètement obsédé par des trucs. Enfin, ça devient vraiment malsain, quoi. Et donc je n'attaque pas du tout les Weibo en termes généraux, c'est juste un délire, hein, il n'y a pas de. Et là, tu te retrouves avec les fans de Weibo, quoi. Pire, ça. Non, mais. Genre, au pire, je comprends, c'est pas grave. Et du coup, ouais, tu nous as fait toute une série sur Spirited, avec des illustres qui étaient quand même bien léchés, bien poussés. Là, je commençais à mettre plus dans l'environnement, parce que l'environnement, c'était pas un truc qui me plaisait. Mais sauf que j'aime bien en mettre, en fait, derrière les personnages. Parce que, comme tu as pu remarquer, sur l'ensemble de mes travaux, c'est vachement plus porté sur les persos. Parce que c'est ce qui me plaît. Mais je trouve toujours qu'un petit décor, ça met en valeur. Ça crée une histoire, comme on dit, le storytelling. Hein, j'aime beaucoup ça. Et quoi, créer des contextes un peu décalés. Je rajoutais des fois des trucs cons, des petits tags comme notre illustration avec les levels. C'est juste un petit C'est élément, mais ça. le petit truc Le petit tag, mais qui remet un. ça pète un peu le délire un peu épique, parce que tu dis, ouais, c'est peut-être qu'un jeu. Est-ce que c'est juste une illustration ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Par exemple, là sur l'autre avec le squelette, tu vois. Ton Celle-là, tu vois. squelette. Genre, je lui ai mis un casque écouvert avec des oreilles de chat, tu vois. Attention. Ce qui se voit pas quand tu fais pas Oui, super c'est ça, il gaffe. faut. C'est ça, hein, c'est. C'est un petit détail, tu vois, mais Regardez, il y c'est. a des oreilles de chat. Ah, c'est un truc tout mignon, mais le truc est pas forcément ultra mignon. Et du coup, Spirited, donc tu continues de l'alimenter. Je vais continuer, là, c'est mon Mais tu petit. postes pas. Tu vas les reposer à nouveau en série derrière ou. Là, je suis en train de travailler sur une nouvelle série, en fait. Parce que je commençais, comme tu sais, le blog de l'été, un petit peu. Parce que j'étais un peu bloqué, je me stressais un petit peu, là, un peu comme un con par rapport aux réseaux sociaux. Ah, j'ai pas mis des trucs depuis longtemps. Et puis quand je mettais un truc, j'étais pas forcément satisfait. Je me suis dit, bon, on va reposer encore. Tu vois, c'est des fois, il faut se dire, je laisse le côté, puis je vais retravailler de mon côté, reprendre le plaisir de créer des trucs pour moi. Puis là, justement, là, j'en ai. Et surtout, là, j'avais fait un peu l'erreur. Parce que j'étais un peu dans une phase un peu très créative. C'est vrai que j'ai commencé plein de trucs en même temps. Parce que tu sais, j'ai une Ouais, idée, c'est je vais faire, je vais trop faire. bien, ça va Puis en fait, j'en rebondir ai sur tellement, ça. je me suis dit, bon, je fais quoi en Et fait? alors, est-ce que tu arrives à choisir dans ces cas-là, Bah là, en comment? fait, je me suis fait, je me suis dit, ok, maintenant je suis un ordre en fait. Je fais celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là. Parce qu'avant, je travaillais un petit peu tout en même temps. Et des fois, c'est le truc, c'est quand tu as une illustration que tu as laissée pendant un long moment, tu reviens dessus, tu te dis, oh, elle est plus si bien. Et ça te dégoûte un peu, tu dis, oh, je suis pas bon et tout, tu commences à te rabaisser. Et Est-ce c'est que là, tu te dis, c'est la spirale en fait.
Mais ça dégoûte et c'est pas. Ça va jusque tiens, on la refait ou zut, Non, on jette et on des fois jette j'ai un peu l'idée. en mode, je suis en mode, je vais m'en donner. Par exemple, la dernière, où ça m'a fait un peu ça, c'était la toute dernière que j'ai postée. Donc Celle-ci? celle-là. En gros, j'avais dans l'idée de faire plein de trucs derrière elle, enfin tout un décor, et chaque fois je cherchais, je trouvais pas, ça m'énervait. Je me suis dit, arrête, ça va te prendre la tête, tu deviens fou, arrête. Tu dois l'abandonner, c'est dur, mais faut juste la laisser comme ça, elle est très bien comme ça. Donc des fois, il faut éviter de trop rajouter. Tu te refocuses Mais voilà, mais sur le mine de rien, personnage. personnellement, je la considère comme un peu un échec parce que elle m'a Ouais, battu, entre guillemets. c'est ça, J'ai t'aurais pas pu, adoré avoir des voilà. milliers de trucs Voilà, derrière. mais j'ai pas su trouver. J'ai trop laissé traîner le truc, et puis à un moment donné, j'avais plus l'idée en tête. Mais par contre, c'est cool que t'aies une illus cohérente quand même, malgré tout. Tu Oui, vois, parce c'est que je me pas. concentre souvent, je me concentre souvent sur le personnage, puis je dis, qu'est-ce que je pourrais rajouter avec? C'est souvent le leitmotiv sur tous mes trucs. Un peu moins maintenant sur celui-là, j'essaie de construire, tu vas me dire, les professionnels ils aiment bien faire des BM mise en page, j'essaie de faire comme eux, tiens, vas-y, on essaie d'être pro. Mais alors, comment on fait pour être pro? Est-ce que tu nous montres ça sur ton dessin directement? Je te fais Avant de glisser. commencer, voilà comme Qu'est-ce là que on t'en va être sur penses? c'est sur un peu Benjamin court, du Agnew, coup faut ton mot de je passe, vais un tu peu sais. avoir du mal à faire un truc très très pro parce qu'on n'aura pas le temps. Donc Non. j'essaie de faire plus comme à l'improvisation, on va dire. C'est quoi, c'est comme ça que je trouve des bonnes idées. Bon, en général, ça Alors doit. j'ai d'abord. Vas-y, ouais, parce que on a coupé la clim pour que Il commence à faire vous chaud. puissiez profiter des micros complètement. Mais c'est vrai que sans la clim, ça marche moins bien. Ah, ça fait du bien. Hop, tiens, on va passer sur ta machine. Oh, alors On on a des petits. a vérifié qu'il y avait la tablette et qu'il y Il avait la pression fonctionnait, donc on dessus. va. Alors est-ce qu'on peut. Alors, ça ne marche pas. Tu cherches pas? Alors. Parce que d'habitude, quand on appuie sur effacer, ça remet tout en blanc. Dis-moi. On va le remplir en couleur, non pas en fond suffisant, Je mets mais en gris gris, en moi, celui-là. blanc. Hein. Moi, je mets Oui, en gris. un gris Ouais, 50? 50. Allez, va pour un gris 50. Ok. Et puis on peut se mettre un peu sur le petit bouton vert là-bas en haut. En Alors, on va haut à mettre gauche. grand écran. Ok. Hop. Ah, il faut savoir que d'habitude, je travaille sur un très grand écran. Alors là, c'est tout petit, donc ça va C'est être tout pas. petit et en plus avec ouais, tout petit et comme il est optimisé pour le HDMI, tu vas pas forcément voir. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez des petits contours sur sur le Les petites live ou pas. Là, tu sélections? vois une petite sélection. Ouais, il y Pourtant, a elle une n'est pas. sélection, c'est moi qui l'ai sélectionné. Pourtant, elle n'est C'est pas. commande en fait, c'est pas contrôle. Ah, ça change. Ah oui, c'est vrai. Oui, Eh on oui, t'a là, je collé suis sur sur un un. Mac, sinon c'était pas Oui, drôle. j'ai commencé sur un Mac en vrai. Hein. Ah bah voilà. Parce qu'on nous disait toujours, ouais, il faut travailler sur Mac c'est trop bien, Mac c'est le futur. Puis après, tu te rends compte que bah, Mac c'est cher et c'est mieux un PC en Et fait. tu vois, Alors. l'économie du futur. Bon, c'est. Surtout quand je m'étais payé un iMac. Et c'était un super PC, il avait une qualité visuelle assez impressionnante. Mais il faut savoir que. Bah. Ça dure pas longtemps et quand ça marche plus, bah, Ouais. tu peux pas l'ouvrir. Oui, ça c'est Ce qui clair. fait que bah t'es un peu baisé quoi. Je peux pas récupérer tes ressources, ce qui fait que j'ai perdu pas mal de trucs. Ça m'a fait un peu dégoûter à cette époque, je m'en rappelle. Alors, essayer d'en trouver la broche magique. Alors est-ce que c'est Alt pour changer sur les. Ou c'est encore contrôle pour enfin, changement de taille? Tu veux avoir C'est pour commande et changement alt. de. Ouais, parce que. Alors, c'est Tu pour. oui, contrôle et alt en même temps. Contrôle, alt. Ah non, Contrôle, ça marche pas. non, contrôle. Ah, pardon. Et ça ne marche pas. Et, vas-y, contrôle, alt. Et alors, peut-être pour l'instant, tu as encore ce menu-là qui est ouvert. Clique n'importe où, voilà. Contrôle, alt, et tu dois pouvoir le. Et alors, Encore des petits problèmes. qu'est-ce qui nous arrive ici? Où est ta souris? C'est les aléas du direct. C'est ça, c'est bon, ce serait pas drôle. Hein. C'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi chez toi ça marche pas alors que chez moi ça marche? Même contrôle, alt, il y fait. Alors, peut-être T'as que je vu, ne fais non? pas dans le bon ordre. Contrôle, Contrôle contrôle, Alt. pas commande. Ah Contrôle. oui, non. Hop. Ah, d'accord, je comprenais parce que j'ai un réflexe d'appuyer Ah, sur le. toi t'appuies sur le petit Oui, bouton qu'on a absolument pas parce que sur configuré PC, pour le c'est coup. juste Alt et tu Ah. cliques et hop, tu fais Oui, glisser. alors Mais à chaque fois que voilà. tu vas penser ton petit bouton, tu Alors feras là, je vais contrôle à la devoir place. tout réapprendre, messieurs, dames. Mais oui. Bon, ça, c'est pas beau. Mais Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va essayer de commencer. Ouh là là. Alors, faut savoir que les techniques que j'utilisais quand j'étais sur tablette un peu normale et quand je suis passé sur la synthique ne sont pas du tout la même chose. Ce qui fait que j'ai pas du tout les mêmes réflexes en fait. Ouais. Ce que je faisais beaucoup quand j'étais sur Intuos,
c'est je peignais un peu mon décor comme ça, j'essayais de donner une petite texture, j'essayais de voir, je sais pas, des fois des formes en fait qui se dégageaient. Donc c'était un peu vraiment du, je veux dire, un peu du pif au départ. Le centre de ta zone de travail, il y avait toujours... Puis en fait, à un moment donné, à force de faire des traits, ou des petites formes, à un moment donné, t'as un truc, tu dis, ah, je pourrais en faire quelque chose, tu vois, t'as un élément, en fait, tu pourrais mettre un bras, là, peut-être rajouter une tête, tu vois. Donc ça prenait un peu forme comme ça au départ. Maintenant, c'est un peu plus construit, tu vois. Je réfléchis un peu plus quand je fais mes personnages. Mais à l'époque, beaucoup de mes persos, je les apprenais à les faire comme ça. Hop. Voilà. Un petit calque. Et donc le mec prudent qui se construit quand même un calque pour pouvoir isoler son fond. Quand même, j'étais pas fou. Non, c'est bien ça. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire tout en un seul calque, en taper par-dessus. Ça, je l'ai plus vu sur les gens qui font de l'enviro, en fait. Parce qu'ils se disent qu'après tout, leur environnement, il va pas trop bouger. C'est normal. Après, il faut la maîtriser. Moi, je sais qu'en termes d'environ, je ferai pas ça, parce que j'ai vraiment pas la confiance en termes d'environnement. Donc, je suis pas un environnementiste. Hein. Pardon. Alors. Commencer par des silhouettes assez simples. Alors, une fois, il y a des questions sur le chat parce que je ne peux pas le lire là. T'inquiète, je te lirai. Ils en sont revenus au moment où justement tu te mets à l'aise et que, comme au début tu avais parlé de slip, c'était... ils étaient alors là, un peu inquiets. En fait, là pour eux, j'enlève mon pull. C'est ça. Mais on est vachement décalé, là, c'est pas 30 secondes. Ouais, non, mais les gens retiennent ce qu'on a dit il y a une demi-heure. Donc des fois, ils font, ouais, c'est un peu con parce qu'ils peuvent faire des remarques, mais tu sais pas sur quoi. Faut leur demander. En général, ça se passe bien. Et... alors. Je peux tout réapprendre. Bah parce qu'à chaque fois que j'appuie sur contrôle, petit réflexe. J'en rappelle, c'est la pomme. On disait la pomme, pomme droite, pomme gauche. C'est ça, le seul moment où tu appuies sur contrôle, c'est pour changer la taille de ton stylet. Ça va être un peu plus dur. Alors, du coup, petite question à l'audience, parce que vous êtes quand même quelques-uns sur le live. Est-ce que vous. Quasiment des milliers. Mais pas à ce point-là. Est-ce qu'il y a des illustrateurs parmi nous, je suppose, hein, parce qu'on a il y a des gens que je reconnais, donc que j'ai retrouvé, Alexandre, Daniel, tout ça, mais je vois aussi donc les Guillaume, Mao, Zo, etc. Est-ce que vous êtes illustrateurs les uns des autres? Où est-ce que tu trouves tes broches? Me demande Guillaume. Ah, alors mes broches, je les avais trouvées de base, c'était sur un artiste sur Desjardins qui s'appelle Proxy Green. Qui avait justement des broches assez intéressantes que j'aimais bien. Et je me suis dit, je vais tester. Et dedans, j'ai découvert un peu la broche magique, comme je l'appelle. Celle qui me permet de faire à peu près tout. Tu t'écris comment, Proxy Green? Tu te rappelles vaguement ou pas? Alors, P-R-O-X-Y, il me semble, G-R-E-E-N. Okay. Et il faut savoir que ceux qui s'intéressaient à récupérer mes broches, je les ai postées sur mon Deviantart. Ce qui fait que j'ai les miennes en plus, parce que Proxy Green, il y avait déjà... certaines broches, et moi j'en ai rajouté d'autres en fait. C'est un mélange des siennes et des miennes. C'est pour savoir que j'utilise au quotidien 5% de ces broches. Je reste toujours un peu cloîtré sur les mêmes, mais des fois de temps en temps je me dis, je vais essayer un petit effet sur une texture et puis je change un peu. Donc, ouais, si vous cherchez Proxy Green, comme ça vous savez l'écrire, je vous le fais passer là, hop. Et puis du coup, vous pourrez retrouver ces broches sur Deviant et vous pourrez retrouver les tiennes sur ton Deviant aussi. D'être sur les Deviant, tout ça. Ouais. Ok. Donc au moins, il y a tout ça. Ouais. Tiens, on va retourner chez toi. Tchouk. Du coup, donc je commence à avoir mes réponses sur qui dessine pas, un qui dessine le dimanche matin uniquement, un illustrateur junior, plus dans le concept que dans l'illustration. Je viens de finir des études et je cherche du taf. Oui, il faut. Normal. C'est bien aussi. Pas du tout facile. Illustrateur. J'aime tout ce qui tourne autour de Photoshop. Du coup, il y a des techniques intéressantes à appliquer sur la partie photo. C'est marrant ça de partir des techniques de dessin et les réappliquer à la partie photo. Bah, souvent c'est un peu ça en vrai, pour des fois des retouches sur des photos pour qu'elles soient propres, je sais pas si c'est dans la mode ou je sais pas quoi. Parce que quand j'étais à l'initiative, c'était plus en termes de communication. Ouais. Donc c'était plus retouches d'images, tout ça.
Mais ce qui est bien, on se retrouvait souvent des fois à faire des techniques un peu de dessin en fait. Ouais. Avec donc, certains outils, tu vois. Tu vas aller fluidifier, tu vas aller lisser les visages. Un petit trait sous l'œil, tu vois. Tu faisais tout ton maquillage directement à la main. C'est un peu ça. Visiblement, tout le monde a des enfants qui dessinent mieux qu'eux. Ah. Faut vous entraîner, les gens. Parce que les enfants. Soit mes parents dessinent moins bien que moi. C'est ça. Hein. Est-ce que vous faites gagner des places pour le talk de ce soir, demande Antoine. Tu es la deuxième personne à demander. Donc oui, on va faire gagner une place pour ce soir. Restez avec nous. Une question, quelque chose, un petit concours. On va essayer de trouver la question qui va bien. D'habitude, on a des questions qui sont assez basiques. Mais là, il y a déjà deux personnes qui sont motivées. Donc il va falloir départager les gens pour de vrai. Difficile. Dessin tous les jours pour moi, pour un étudiant, oui. Est-ce que tu vas faire un esprit méchant, demande Chinsuzai Suzume. Ben, j'en ai déjà, parce que c'est les... Tout ce qui était, comme j'avais dit, le Weibo, tout ça, c'est pas forcément des esprits très gentils. Après, je sais pas dans quel contexte, c'est en mode... Non, mais la question doit être peut-être sur l'illustration de maintenant. Ah, là, maintenant, je ne sais pas, en fait. J'ai dit, j'improvise. Souvent, quand je sais pas trop quoi faire, je fais quand même un esprit, comme je les appelle. C'est-à-dire que je fais un peu n'importe quoi. D'accord. Puis à un moment donné, ça prend forme. Là, tu vois, je me dis, on a peut-être une tête, tu vois. Et ensuite, on aurait des bras ou des jambes qui sortiraient de là. Genre quelque chose peut-être en paille. Oups. Et d'ailleurs, dans les gens qui nous suivent, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà leur place pour ce soir et qu'on va retrouver ce soir ? Alors, Benjamin sera avec nous ce soir. Alexis sera avec nous ce soir. Je suis pas sûr. Tu n'étais pas sûr ? Mince, ça aurait été plaisant. Je serais pas là, désolé. J'ai autre chose à faire, plus important, bah, apparemment il y a Yama qui m'a demandé tout ça. Gribouillage sur un post-it, est-ce que ça compte pour être illustrateur ? Ça dépend. Ça dépend, si t'en as fait un une fois dans ta vie, ça compte pas. Mais si t'en fais tout le temps, ça commence à compter. C'est ça. Puis ça dépend aussi de ce que t'en fais, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui décident que pour le plaisir, sans forcément vouloir devenir professionnel derrière. C'est pas le. Je sais pas si c'est les mêmes catégories de gens, tu vois, parce qu'il n'y a pas le même objectif, il y a moins de pression, je pense. Parce que tu peux te permettre de rester dans une zone de confort, de pas forcément coller à l'industrie, tout ça. Comme on peut le voir souvent sur Tumblr, sur Twitter, tout ça, avec beaucoup d'artistes qui sont juste là pour le plaisir. Et qui gagnent très bien leur vie avec. Tout à fait. Alors ce soir, on va avoir du monde. Hein. Regarde, on a Mao qui vient, on va avoir Nikimaru Soubès qui vient, Karine qui vient, qui a déjà sa place, qui veut d'autres places, visiblement. Pour des potes. C'est ça, hein. Suzume, non, je sais pas. Guillaume demande, un autre Guillaume, il y a plusieurs Guillaume. Il y a celui qui vient et celui qui se demande ce qui se passe ce soir. Celui qui ne vient pas. Celui qui tient, je sais pas. Ce soir, il y a un Raoult qui aura lieu à Paris, ça s'appelle le Art and Talk. On va avoir quelques heures avec Alexis. Venez, ça va être bien. Jean Bûcher va venir. Très bien. Et Vincent Lefebvre aussi. Très bien. C'est super. On va être nombreux. Mais oui. Évidemment, on va être nombreux. On va être serré. Il fait chaud. C'est bien. Comment ça, une place pour Gala ? C'est qui Gala ? C'est quoi Gala ? Enfin, pour moi, c'était un magazine. Mais je dois me tromper. Oui. Le Gala de ce soir. Alors, est-ce que beaucoup de tes illustrations commencent comme ça en très sombre et après tu remontes ? Ça arrive, en fait ça dépend. C'est, des fois j'ai envie de faire des trucs comme ça, d'ailleurs de partir de rien en fait. Parce qu'il y a un côté un peu créatif, tu vois, tu pars de rien. Et tu rajoutes de la lumière. Beaucoup des fois juste de la lumière, tu rajoutes des détails. En fait, tu commences à raconter une histoire au fur et à mesure. Parce que ça m'est arrivé des fois d'avoir juste un. Par exemple, j'avais fait un bol une fois, j'avais mis des trous, je disais, ah, ça fait des yeux, puis j'ai commencé à mettre un personnage en dessous. Puis je commençais à me raconter une histoire, c'est quoi le personnage. Puis du coup, je rajoute des éléments pour l'identifier et tout ça. C'est qu'il y a un côté un peu jeu. Et des fois, j'aime bien faire vraiment un truc bien maîtrisé, bien contrôlé. Bah, dans les dernières Spirited, c'était beaucoup plus recherché. J'avais vraiment des idées un peu précises. Mais de temps en temps, j'aime bien repartir sur un truc un peu, on va dire, sans pression. Quoi. D'accord. C'est quand même plus léger, c'est quand même plus sympathique quand tu fais un truc, tu sais pas ce que tu fais. Ce que tu dis au pur, bah, c'est juste rien, puis tant pis. Hein. C'est clair. Hop.
Alors Abou nous dit qu'il est nouveau et il demande à quelle heure le prochain cours a lieu. Alors on n'est pas sur une, on n'est pas sur un MOOC, on n'est pas sur une, sur une formation. La masterclass, c'est vraiment pouvoir échanger avec l'artiste, pouvoir regarder un peu comment il fonctionne, pouvoir lui poser des questions de temps à autre. Comment il fonctionne? Donc, parce que l'artiste ne fonctionne pas comme les autres. Bah, comment il fonctionne, que chaque artiste fonctionne à sa manière. Oui. On est des créatures de foire. Et tout le monde est très motivé pour faire venir ce cher Antoine qui n'a pas de place. Qu'il vienne. Et du coup, tous les amis d'Antoine vont essayer de gagner une place pour Antoine. C'est beau. Ça serait magnifique. Il y a un nouveau hashtag, un ticket pour Antoine. Un nouveau hashtag sur Twitter. C'est ça. Non, pour l'instant, il est encore que dans la zone de chat, donc tout va bien. 9 heures de route pour venir ce soir, ça va être short, ouais, je suis d'accord. Bon, tu te dépêches. Il y a des gens qui ont pony drawing ce soir. Ça change. Je connais pas, pour le coup. C'est le cousin de l'aquaponie. Pour le coup, je ne connais pas non plus. Ah, je ne connais rien. Je suis resté dans ma grotte trop longtemps. T'inquiète, on va te mettre, on va te mettre à jour. Et donc, ouais, pour ceux qui seraient inquiets, qui se disent, mais zut, je vais avoir droit qu'à 1h30 d'Alexis Rive, est-ce que je vais avoir toute ma connaissance dessus? Vous êtes sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Adobe France. Et du coup, quand vous recherchez d'autres sujets autour du dessin, vous allez voir qu'on a déjà quelques sessions. Combien? On a une petite vingtaine de sessions déjà sur les Art & Talk. On a fait lors du IAMC, donc les Masterclass IAMAG de l'année dernière, on a fait 3 jours de live en continu avec des artistes qui allaient de Patrick O'Keefe, Bastien Grivet qui était sur le dernier Spider-Verse. On a eu Nicolas Bouvier, Sparte, qui est venu nous présenter son boulot. Et vous m'avez moi, c'est un peu. Et un on t'a toi aujourd'hui. Non, mais c'est. Attends, au moins toi tu parles français, ils parlaient pas tous bien français. Ah, les gens de Montpellier là, j'ai du mal à comprendre. Montpellier, c'est pas des gens de chez nous. Hein. Alors Daniel commence à deviner une forme de chapeau volant posé sur la tête d'un démon unijambiste. Il y a un truc. Hein. Ah, regarde s'il est unijambiste. Ouais, oui, ça fera un peu style japonais. Il y a un yokai comme ça. Hein. Oui, un yokai. C'est vrai que là, je commence à partir un peu. Il me semble qu'il y a un yokai parapluie. Oui, avec un œil et une langue. C'est ça. Hein. Alors, on verra. On n'est pas les seuls. Je mettrai peut-être plus qu'une jambe parce que j'aime pas la. Encore, c'est pas symétrique. Je m'équipe deux jambes. Ça dépend où tu places, combien tu mets d'orteils. Mais après, il peut avoir une jambe très symétrique. Alors, on verra peut-être pas les orteils, ça se trouve. C'est long à faire des orteils. Il y a un supplément pour les orteils. Ah oui, supplément oignon. Non, mais je pense que les gens commencent à découvrir les yokai en France avec Yokai Watch. Bah, c'est forcément ça. Hein. C'est belle culture japonaise. Son plus bel exemple. C'est fini pour Shigeru Mizuki, tout le monde est passé à Yokai Watch, la génération ouais. D'après. En vrai, j'aurais eu ça quand j'étais petit, j'aurais été content. Il y a des monstres parfois qui sont assez stylés. J'ai vu une expo de Yokai il y a quelques temps, où le grand absent pour moi c'était lui, c'était Mizuki. Il n'a pas été représenté du tout, alors que pour moi c'était un peu la grosse référence. Et en fait, le but c'était d'arriver à Yokai Watch. Donc ils ont présenté tous les très anciens. D'accord. Et pas les... Ouais. Peut-être qu'ils ont juste pas eu les droits. Mais... Les droits des yokai, ouais, c'est une marque déposée. Non, les droits des yokai de Shigeru Mizuki. Ah, peut-être. Après, dans la culture japonaise, il y en a des milliers. C'est ça. C'est pas ça qui manquait. Partout, chaque temple. Chaque temple, chaque arbre, chaque bout de rivière. Il est là, le moins. J'apprends. Non, mais tu... Mais j'apprends vite. T'apprends quand même super vite, c'est ça qui est bien. Après, j'avais quelques réflexes, heureusement. Alexandre demande si ça va être une cigogne qui a raté le nid. Une cigogne qui a raté le nid, bah dis donc. Les gens voient... Chacun voit des trucs. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Des fois, je faisais des illustrations, des trucs comme ça, et les gens s'imaginent des fois leur propre histoire derrière. C'est ça que je fais un petit peu avec Spirited, c'est que je fais pas forcément, je fais pas une BD. Ouais. Je raconte pas forcément une histoire claire. C'est plutôt par des moments clés. Mm-hmm. Et je laisse les gens en fait imaginer qu'est-ce qui pourrait bien se passer entre ces moments. Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire des fois, c'est quand je découvre une œuvre, je vais des fois sur Google Images, je regarde juste les visuels. Et dans ma tête, je m'imagine genre ça serait quoi
la meilleure possibilité pour cette genre, si c'est un film, genre ce serait quoi le meilleur film avec ces images. Donc j'imagine moi-même le film parfait dans ma tête, tu vois. Et souvent, en vrai, quand je regarde des fois le film, bah, je peux être déçu. Après, je me dis, j'aurais pas dû le regarder, j'aurais dû rester avec mon imaginaire. Voilà, c'est ça. Du coup, mais alors, ça, c'est, en plus, c'est sur des trucs que tu découvres et que tu imaginais, mais pas sur des trucs que tu avais déjà vu quand tu étais gamin et que tu redécouvres. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est pire encore. Il n'y a rien de tel pour casser un mythe que revoir les dessins animés qu'on a kiffé quand on était petit. Certains dessins animés que j'ai regardés, je me disais, oula, j'aimais ça. Et d'autres que je me dis, bah, j'avais raison d'aimer, parce que c'était vachement bien. Une grande robe de loli. Grande robe, oui. Les divinités au Japon, c'est un peu la foire à la saucisse. Ah ouais, ça m'importe. Il y en a beaucoup. C'est ça que j'aime bien avec le Japon, c'est qu'il y a beaucoup de trucs. Mais c'est un peu toujours un peu le. Ils sont restés assez focus sur leur culture, ce qui est assez. Ça donne un côté assez, que j'ai bien aimé en fait. C'est un côté un peu pur en fait, leur culture. Tout ce qui est esprit, tout ça. Il y a des milliers d'années d'histoire, tu vois, qu'il a. Alors que nous, en Europe, on a connu des tas d'évolutions quand tu regardes tout ce qui est cathédrale, tout ça, avec les Romains, enfin toutes les influences qu'on a pu avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est une culture assez pluriculturelle, enfin, on a beaucoup d'éléments. Et ce qui est vraiment en contradiction avec les Japonais, qui eux ont vraiment une culture qui était isolationniste pendant très longtemps. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont. Ils ont épargné les échanges, ils ont épargné. Ouais, parce que, bon, après, c'est un bien comme un mal. Mais disons que le résultat, ce qu'il donne, c'est une culture assez unique. Enfin, t'as bien sûr aussi la culture, tout ce qui est culture asiatique, c'est un peu. C'est des cultures qui sont assez riches. Que je m'inspire pas seulement de la culture japonaise. C'est un paquet de pays là-bas, en fait. Quand on les regarde de loin sur la carte, ça a l'air tout petit. Et on se limite à Chine, Japon, Corée. La différence entre Vietnam, Corée, c'est pas pareil. La différence entre Corée et Corée, c'est pas pareil. La Malaisie aussi. Il y a beaucoup des trucs Malaisie que j'ai récupérés, que j'aime bien. En termes de motifs, en termes de personnages, en termes de. Bah dans la dernière, en fait, j'en avais ajouté un. Hein. C'était un nouveau principe. C'était. En gros, mon personnage, elle tient comme une sorte de. Là, c'est sur cette lanterne, ils sont pas là. Ouais, dans celle-ci. Il y a une sorte de lanterne. Ouais. Dans cette lanterne, il y a une espèce de fœtus. Il faut savoir que dans la culture malaisienne, ou thaïlandaise, c'est une des deux. Ah, bravo. Il y a. Là, j'hésite. Hein. Là, je préfère ne pas me dire que c'est ça parce que je suis un peu. J'ai des trous, des fois, ça m'arrive. Et donc, dans leur culture, en fait, ils avaient des. Espèce de petits fœtus, en fait je crois que c'était apparemment des vrais fœtus récupérés qui étaient devenus un peu comme de la pierre en fait. Du coup il y avait une espèce de petite tache, enfin c'était un peu verdâtre, comme s'il y avait de la mousse dessus, des œufs de Milan. Ouais, apparemment c'était des trucs qui étaient considérés comme porte-bonheur à une époque. Après ça a été un peu interdit parce que c'est quand même des fœtus humains, donc c'est pas forcément. D'un coup je me suis dit, moi ce serait marrant, là c'est pas des fœtus humains pour le coup, c'est plutôt des fœtus d'esprits avortés en fait. C'est des esprits qui n'ont pas réussi à naître, qui n'ont pas eu de masque en fait pour leur cacher, du coup ils disent ça peut être considéré comme une sorte d'énergie, quelque chose, tu vois, à partir de ça je me suis imaginé plein de trucs. Donc tu vois, ça je trouve un élément, je me dis tiens, je pourrais essayer de l'intégrer comment. comment je pourrais les comment le mettre en place. Azuki Togi, qui est Azuki Togi? On est en train de me donner la liste de tous les yokai qui existent. Oh, monsieur Stéphane Baril est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane qui résout d'habitude tous les problèmes Photoshop de tout le monde. Ah, qui connaît tous les trucs et astuces de toutes les de toutes les problématiques. Comment on fait de la 3D avec Photoshop? En tout cas, ça c'est facile. Je sens plus qu'en même temps, attention, ne me cherche pas sur ça. Non, en plus j'essaie d'attaquer Photoshop mais c'est inattaquable. Monsieur. C'est trop puissant. On va essayer de diviser sa puissance en plusieurs petits logiciels. Voilà, pour bien faire chier. Mais non, pas pour bien faire chier, pour varier. Pour que les photographes arrêtent de pleurer, parce que Photoshop, c'est compliqué. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Pour que les illustrateurs arrêtent de pleurer. C'est vrai que quand tu essaies de chercher au début, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai pris des cours. Parce que... Mais je dirais que c'est moins pire que 3DS Max ou des trucs comme ça, où là, tu connais pas, tu peux pas te retrouver tellement il y a des possibilités. Donc ça, je dirais que Photoshop, c'est à force, tu finis par comprendre comment ça fonctionne. Et il y a Tintuzai Suzume qui demande si on peut boire du thé avec la petite lampe, là, de tout à l'heure. Quelle petite lampe? Avec le petit fœtus dedans. Boire du thé avec, je vous déconseille. Les idées étranges du milieu d'après-midi. Parce que je l'imaginais un peu comme une sorte de ressource un peu rare, tu vois.
Après, ça dépend du temps d'infusion. Ça. Oui, c'est ça, c'est un peu, oui, c'est un peu le principe d'infusion, tu vois. Mais en gros, c'est un peu ça parce que je me suis dit, genre, c'est plongé dans l'huile, et je lui dis, l'huile, il la récupère pour la mélanger avec de l'encre, et pour faire des parchemins, tu sais, pour. Comme, t'sais, de l'encre l'encre invisible. Ça pourrait être un peu ça, mais là, ça serait mélangé avec de la vraie encre. Ça permettrait d'avoir des pouvoirs, peut-être, de scellement, des trucs comme ça, comme les japonais. D'accord, ouais. Et je lui dis, comment je pourrais essayer de justifier ça, que ça ait des pouvoirs, tu vois. Je me suis dit, bah voilà, c'est pas. Sinon, Zo a une autre proposition, accrocher dans la voiture pour parfumer la cabine. Sur c'est possible, le ouais, rétroviseur. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être qu'il y aura une illustration dans une vue intérieure d'un véhicule et il y aura un petit fait. On le retrouvera là. C'est sympa. On vient de perdre 18 personnes. Ils parlent de fœtus, vous avez vu, c'est terrible, les artistes, ils sont fous. N'importe quoi. Allez, un peu de 3D, Photoshop devient beaucoup moins intimidant. Ouais, mais il est pas si intimidant que ça, vous pouvez vous y faire. Franchement, non, j'ai eu des cours, mais c'était vraiment juste l'introduction pour faire des dégradés, des sélections, tout ça. Puis après, à force, bah, tu tapes dedans et tu finis par découvrir des petits trucs. Quand tu découvres les gradients de map, alors là, t'es content. J'essaierai de vous montrer ça plus tard. Bah, des fois, je me retrouve, ouais, des fois, je pense des fois connaître Photoshop bien, mais des fois, je me dis, ah, t'as jamais fait ça. Mais... t'as pas fait ça, t'as pas vu ce truc. Ah, ça change tout. C'est pas mal. Et puis, alors après, t'as deux effets. T'as le ça change tout et t'as le ouais, ça change tout, je vais essayer en fait. Non, j'aimais mieux avant. Bon, des fois, oui, t'as l'habitude. Mais il faut essayer. T'as l'habitude des fois et l'habitude des fois, c'est pas mal. Ça va plus vite, t'es plus tranquille. En tout cas, pour tous ceux qui seraient intéressés par des sessions autour de Photoshop, on en a quelques-unes sur la chaîne. Faut chercher Stéphane Baril. Je vais vous mettre les URL parce qu'il a travaillé avec nous sur énormément de points Photoshop, et il a donné plein de tutos. Alors il a donné des tutos autour de la 3D dans Photoshop et dans le Creative Cloud, il a donné des tutos sur Adobe Dimension, il a fait des présentations au Media Talent aussi, on peut le retrouver là, et si je dis pas de bêtises, c'est les sessions de Stéphane, elles étaient sur le IAMC, sur les Masterclass. Il me semble qu'il a donné une session dans les Masterclass, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Hop, c'est la session du troisième jour. J'ai coupé le troisième jour. Le troisième jour. Au troisième jour. Cannes, troisième jour. Ah oui. Pendant ce temps, à Veracruz. J'y viens. La vigie est en train de me parler. C'est ça, on me dit, hey, attention, t'oublies pas que... Ouais, mais non, personne n'oublie. On me dit, mais tu sais qu'il y a une astuce pour retrouver Stéphane sur les masterclass. Il faut aller le chercher directement sur france.iamag.com parce qu'il y a toutes les vidéos, une vidéo notamment qui s'appelle Tips and Tricks sur Photoshop. Alors oui, je vais passer sur france.iamag, sur iamag directement. On dirait un truc de téléchat. Si vous voulez, vous retrouvez, c'est pas compliqué, il y a c'est toutes ça. Ces vidéos. Tout est déjà présent en ligne. Sur Vimeo ? Vidéo. Hop. iamag.co. iamag Video Library. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est complètement incroyable. Gratuit. Non, juste Stéphane. Stéphane est gratuit. Même pas gratuit. Même pas Stéphane. Non. Ça, c'est décevant. À seulement 20 euros par mois. Non. À 5 euros par mois. 5 euros pour la présence de Stéphane. Mais et pour 6 euros, je vous mets tout c'est, Stéphane. C'est donné. Il faut que tu viennes, Benjamin. Toutes les masterclass sont disponibles. Pour 5 euros, toutes les masterclass depuis 5 ans. Eh ben dis donc, on est bien là. C'est incroyable. Je... Qu'est-ce que vous faites encore là? Dépensez vite. Ça ne fera pas de l'argent bien en l'air. Merci Maryse. Genre mon chèque, c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. C'est hop, regardez ici, video.yamag.co, il y a tout le catalogue. On peut s'inscrire, on peut voir du concept, de l'animation, de la collection, de la réalité virtuelle, le VR, du VFX, direction, sculpting, masterclass, sketching, 3D modeling, job, interview, storyboard, prévise, en français. Tiens. En français, mais pas Stéphane en français d'ailleurs. Mais pas que, il y a aussi de l'anglais. Et dis donc, c'est que ça fait du bien tout ça. C'est incroyable. Jono, Fenzu, ouais. Bah, du coup, je vais pas dessiner, je vais regarder la télé. Eh oui, mais arrêtons tout de suite ce live. C'est ça. Filter, est-ce que je peux filtrer par hauteur? Je peux filtrer par hauteur et je peux retrouver Stéphane Baril. Mais dis donc, regardez un petit peu, c'est pas merveilleux ça. Je peux retrouver Marc Simonetti, que vous avez pu voir ici en long, en large, en travers. On peut retrouver. Alors, qui encore là, Marc Brunet. Peut-être que je vas-y. Comment je ferais pour que là, pour le recadrage, ça ne prenne pas tout en compte? Je voudrais juste.
Genre, parce que d'habitude ça marche, je sais pas pourquoi. C'est, je comprends pas ta question. Tu voudrais. Bah, tu sais, d'habitude quand tu fais un cadrage, ouais. Tu peux juste recadrer d'un côté, de l'autre. Ouais, il faut que tu attrapes les côtés. Oui, mais là, si je fais ça, en fait, ça grandit les deux côtés en même temps. Genre, comme si tu sais, comme Ah si non, j'avais. si tu l'attrapes par celui du milieu, il attrape les deux côtés. Si tu attrapes celui de droite ou de gauche. Ah, mais j'aimerais juste le faire baisser en fait. Juste à gagner un Ah, peu. pardon, autant pour moi, je viens de comprendre Mais ta tu vois. problématique. Il doit avoir les Ouais, genre proportions. vraiment. Il garde le format d'origine, par défaut. Donc on Ah, va lui demander d'accord. d'effacer le format d'origine. Et du coup, il prend n'importe quoi. C'est Ah, ça que tu parfait, veux. voilà, c'est ça. Ouais. D'habitude, sur les versions que j'ai, ça a toujours été par défaut comme ça, du coup, c'est pour ça que je vais un problème inconnu. Et vous voyez, j'ai un problème, il a su le répondre. C'est parce que Stéphane n'était pas là. Et oui. Si Stéphane avait été là, comme vous Ça auriez pas pu le arrivé. voir dans Stéphane Baril, Tips and Tricks for Digital Artists, vous auriez pu avoir 45 minutes de tips sur Stéphane. Ah zut, À get seulement access now. 5 euros, nous le rappelons. Ah là là, je vais me sign-in pour continuer. Profitez, ce sont des très belles sessions. Et merci pour le lien, Alexandre. Franchement. Comment ça, franchement, tu les as regardés? Non. Mais je le dis ça franchement. Parce que Ouais. celle-là, non, mais j'en ai déjà regardé de Celle-là, artistes en général. regardez pas. Souvent, les artistes en général, ils ont quand même des trucs intéressants à dire. Et on apprend toujours. Alors on me dit si Stéphane est gratuit, mais il faut quand même être inscrit. C'est ça. Hein. Mais est-ce que l'inscription est gratuite? C'est ça. L'inscription est gratuite. Vous entendez ça? Il y a une partie gratuite cachée pour ceux qui sont payants. C'est un peu Netflix. C'est ça. Dernière série du moment, mais là un peu plus. Il y a Bastien en plus. Donc c'est des trucs qui peuvent vous permettre de travailler sur Netflix. C'est ça, c'est un peu l'idée. Oui, alors pour ceux qui comprendraient pas cette dernière phrase, quand on a reçu Bastien Grivet et Jessica Rossier le mois dernier, non, en mars, pardon, ils venaient juste de terminer un projet ultra secret dont ils pouvaient pas parler, mais qui allait sortir sur Netflix, et c'était Love, Death and Robots, où ils avaient participé à une paire d'épisodes, notamment avec Alberto Mieglo, Mielgo. Je sais jamais le prononcer. C'est bizarre, tous ces L n'importe où. Et donc, oui, on peut retrouver des artistes ici qui ont bossé pour la télé, le cinéma, tout ça. Les joies de CC 2019, ouais. Elle est où la banane dans la barre d'outils? On n'est pas besoin de la banane tout le temps. Banane dans la barre Ouais, il y a d'outils. un outil banane dans Photoshop. Ah, je ne savais pas, on peut faire des bananes avec. Mais c'est fini tout ça. C'est triste. Content Tower Scale, ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Ah, et on me dit le Photoshop est pas forcément à jour. Ouh. Super, bravo. C'est ça. C'est donc. Professionnel. Alors pour les joies de la CC 2019, Guillaume, est-ce que vous avez vu, et ça je vais le remontrer parce que on fait des sessions régulièrement autour de Photoshop sur les Art and Talk. Et à chaque fois, on a la question de la proportion, justement. Et vous voyez que là, j'ai la main levée, donc j'ai pas de raccourci, je fais majuscule et j'ai les proportions, comme avant. Et pour ceux qui auraient raté cette mise à jour, vous passez dans le menu Photoshop, Préférences. Alors, si vous êtes sur Mac, sinon c'est dans Édition, Préférences. Et dans Général, vous allez retrouver une petite case à cocher qui s'appelle Utiliser la transformation manuelle héritée. Et c'est de celle-ci dont vous avez très envie et que vous nous avez réclamé pendant quelques temps. Donc voilà, tout est là, tout est revenu comme avant, tout va bien. Vous êtes les bienvenus pour tous les illustrateurs. Merci Alex pour le lien aussi de la session de Bastien et Jessica. Ah, Benjamin Grivet, non, Benjamin Grivet n'existe pas. C'est Bastien Grivet. On m'aurait menti toutes ces années. C'est ça.
tout à fait, Mao qui nous dit, sous-entendu, vous l'avez demandé longtemps, alors vous avez intérêt à l'utiliser maintenant. C'est vrai. C'est exactement ça. Zo a une question pour toi. Quand tu fais un perso, est-ce que tu établis d'abord les shapes que tu vas utiliser pour le design ou bien ça devient au fur et à mesure? Encore une fois, ça dépend de l'illustration. Là, par exemple, j'ai rien travaillé pour avoir ça, mais sur certains de mes projets, par exemple, sur un projet de chevalier, en fait, j'ai fait une série de beaucoup de chevaliers. Et avant, j'avais fait vraiment un gros travail sur les silhouettes. Ouais. On va pouvoir le retrouver là. Un petit peu, en fait, c'était juste pour m'inspirer. Donc ça ceci ou ce ou plutôt alors encore c'était le chemin, mais du coup c'est là tu vois t'as là un peu le résultat, mais je sais qu'avant je l'avais passé là. Là j'ai fait une assez grosse recherche de silhouettes, de plein de, parce que là je voulais faire produire plusieurs personnages un peu dans le même thème. Donc là je travaillais vraiment, essayer de trouver des silhouettes ou des éléments, des petits trucs. Et dans ces cas-là tu fais pas ta couleur, tu fais pas ton fond gris, après tu le fais au début et tu t'arrives dedans. D'abord je travaille souvent sur un fond gris, en fait. Ça fait moins mal aux yeux, en fait, je suis en principe. Et là je faisais surtout du croquis, enfin un peu crayonné, puis qu'après je remplissais pour voir un peu la silhouette que ça dégageait. C'est pour ça que certains dedans vous pouvez les retrouver, on peut retrouver des attributs, les gros gants, etc. Celui-ci je l'ai fait pratiquement quasiment pareil. Et du coup, quand tu viens de terminer une illus comme ça, avant de passer à la version suivante du même, est-ce que tu redessines tout ou est-ce que tu vas couper et t'en servir souvent comme guide? En fait, le travail, si c'est un truc professionnel, là, je vais faire plein d'itérations, tout ça. Bien sûr. Mais quand c'est perso, là, je vais plutôt faire les itérations sur place. Quand j'ai fini mon illustration, c'est qu'elle est genre définitive, quoi. C'est pour ça que je commence souvent dans des shapes assez simples et que je rajoute au fur et à mesure, plutôt que d'avoir un truc très complexe et d'essayer de rechanger. Et voilà, ça me permettait d'avoir un plus grand contrôle, en fait, sur ce que je faisais. Et c'est pour ça que mes personnages sont des fois dans des silhouettes assez simples, en fait. Ouais, et puis c'est important qu'on puisse les distinguer de loin pour, histoire de briser un peu l'uniformité sur la série, sur les illus. Voilà. Yanis nous demande, que conseillerais-tu pour apprendre et s'entraîner en anatomie? Alors, faut savoir, je suis pas une brute en anatomie non plus, donc j'avais besoin aussi encore un peu d'entraînement. Ouais. Donc je me ferai des petites sessions. Et si je pourrais dire ce que je faisais, moi, c'était que je regardais des fois des poses et que je faisais quand même un peu de découpage, en fait, comprendre comment le corps fonctionnait un petit peu. Alors des fois, on voit sur Twitter, sur Station, des gens qui font ça, mais avec des méga détails, en fait, hein, par exemple, c'est une étude vraiment millimétrée. Je dirais que vous n'êtes pas forcé d'aller aussi loin que ça. Ça peut vous aider, peut-être. Enfin, pour le coup, je peux pas être 100% catégorique. Mais je dirais que tant que vous essayez de comprendre un peu comment fonctionne le corps, et surtout, peut-être de créer des raccourcis, en fait, pour les créer. Parce que moi, je fonctionne beaucoup sur les raccourcis. Ouais. Un peu comme la matière aussi de Neske, il me semble. C'était lui qui avait lancé, justement, tu me corrigeras si j'ai tort, que lui, en gros, il avait des réflexes, en fait. Il savait pas dessiner un corps, mais il avait des réflexes. D'accord, ouais. Il sait, une jambe, il se dit, bah ouais, il faut que je fasse un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça. Pareil pour un corps, pour savoir comment structurer un corps, bah, c'est pareil. Moi aussi, des fois, sur certaines illustrations, je commence par la tête, puis au fur et à mesure, je rajoute, mais parce que je sais, en fait, après, comment ça devrait être. Tu vas pouvoir le poser. Ouais, et des fois, je trouve que ça fait même plus naturel. Enfin, il y a un côté plus aérien dans la silhouette, un peu plus léger, parce que des fois on peut tricher un peu sur l'anatomie. Alors quand j'essaie de faire des trucs vraiment très précis, des fois je trouve que ça, c'est trop réaliste, entre guillemets, ça perd ce côté un peu foufou. Ouais. Et des fois, on dit souvent, mais tricher c'est quand même plus joli que la réalité. C'est bien, c'est important de pouvoir tricher une bonne fois pour toutes. Ouais, n'ayez pas peur de tricher, c'est pas grave si des fois votre personnage il est pas parfaitement proportionné.
pour le coup, bref, si vous voulez faire des trucs très proportionnés, très réalistes, bah, il y a le photo bashing pour ça. Et c'est ce que j'ai fait sur Ghost Recon Breakpoint, pour le coup. Mm-hmm. Là, ça me changeait énormément quand je suis arrivé dessus. Parce que là, comme tu as pu voir, j'ai fait un peu de photo bashing, mm-hmm. mais c'était dans le cadre des cours, parce qu'on m'a demandé d'essayer. Du coup, de tester la technique, la découvrir. J'ai découvert ça, j'en avais utilisé un petit peu avant, mais c'était pas très sérieux. Puis là, pour le coup, là, je découvrais vraiment comment ça fonctionnait. Je trouvais ça intéressant. Et j'avais un peu peur d'arriver à Ubisoft parce que je me disais, bah, c'est vraiment pas du tout ce que je sais faire. Est-ce que je serais capable de m'adapter et tout ça. Puis finalement, ça a été un peu, je considère, pas une promenade de santé, mais c'était vachement cool parce que c'est comme c'est loin de ma zone de confort, je suis moins dans l'idée de faire quelque chose de parfait. Je suis moins maniaque. Ouais. C'est que je suis plus léger. Je me dis, l'important, c'est le concept, c'est pas le style. C'est vrai que c'est, tu vas dans Ghost Recon Breakpoint, sur tous les ennemis du jeu, je crois que je les ai faits. Attends, est-ce que je les retrouve ici tu ou pas? Retrouve, comme je t'ai dit, le jeu n'est pas encore sorti. D'accord, oui, non, je suis... Donc, si tu tapes Ghost Recon Breakpoint, tous les wolves, c'est moi qui les ai faits. Ghost Recon, Ghost Recon R-E-C-O-N. R-E-C-O-N, ok, Breakpoint. Pour une rupture. Extrême limite. Bon, tout ce qui est wolves, tout ça, tous les méchants. Alors tiens, regarde, on va se regarder ça, hein, je suis... On fait que de l'officiel, y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Donc toi, t'as fait des méchants comme ça? Tous les méchants. Masque à gaz. Bartage, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. J'ai pris la petite tête de John Bartage, je l'ai mis sur un corps. Et là, pour le coup, il y avait un très gros exercice sur la retouche, tu vois, parce que c'est derrière beaucoup de réitérations encore et encore et encore. Parce que vraiment, les walls, ça nous a pris du temps à les faire. Je crois que ça a duré tout la période de mon stage. Parce que ce qui est drôle, c'est que les walls, je les ai fait en stage. Ouais. Pour le coup, j'avais beaucoup de chance. En fait, je faisais des tests. En gros, j'étais arrivé à une période où il n'y avait pas beaucoup d'artistes, parce que c'était je crois, début juillet ou fin juillet. Mm-hmm. Du coup, ils étaient en vacances. Puis c'était le début du projet. On me dit, vas-y, teste des trucs. On doit faire des ennemis dans le jeu. C'est un peu des soldats, un peu de futuristes, légèrement. Donc, essaie de faire des trucs. Puis au fur et à mesure, je fais des croquis. Puis ça commence à prendre forme. Tu vois, il me dit, ah, tiens, vas-y, on va te continuer, on va te garder comme ça. Puis après, on travaillait beaucoup avec le directeur artistique, lui-même me passait des références, il disait ah, ça serait cool de rajouter telle et telle chose. Tel et tel élément. Voilà, telle pour, chose. Pour puis après, faire vivre. Faisais, j'avais fait une très grande planche avec plein de styles. Parce que là, on cherchait à faire, en fait, c'était une unité de ghosts rebelles, hein, les dark ghosts, comme on les appelait au début, ou les hunters. Et en gros, c'était des rendus ultra badass, et on voulait essayer de leur donner un côté un peu Nazgûl, en fait. Côté menaçant, vraiment, on voulait que ça soit vraiment. Qu'ils fassent peur aux joueurs, après bon c'est pas, je sais pas si ça fera peur aux joueurs le moment venu. On saura le 4 octobre si les gens ont peur. Je ne sais pas à quel point ils sont difficiles dans le jeu, parce que j'ai pas le temps de playtester. Donc si c'est juste des ennemis lambda, c'est un peu triste, parce que nous on a vraiment kiffé à les faire. Et ouais, du coup bah j'ai vraiment réitéré dessus encore et encore, jusqu'à leur ajouter un petit manteau, enfin des trucs comme ça. C'était vraiment des petits éléments à chaque fois qui changeaient le... un peu la donne, et à chaque fois on repartait sur d'autres itérations. Mmh. Et c'était vachement cool. C'est ça qui est cool, c'est de pouvoir toujours avancer, toujours. Et je sais quand même, là pour le coup j'ai fait beaucoup de photobashing, et à un moment donné je m'étais dit, tiens, je vais essayer de faire un peu, je m'étais dit, faire à la professionnelle, je vais pas utiliser de photobashing, je vais essayer de le faire un peu à la main, du début à la fin. Et ça m'a pris genre 2-3 semaines, alors que sur les autres trucs, bah, j'aurais pu prendre beaucoup moins de temps, quoi. C'était juste hyper long, j'ai fait beaucoup de retouches dessus. Alors, le résultat est très joli, mais je me dis, j'aurais pu faire pareil avec de la photo. Ouais. Mais au moins, je suis satisfait. Donc, pour ceux qui s'intéresseront le moment venu, s'il y en a qui joueront au jeu, ce sont ceux qui ont des grosses gatlings, quoi. C'est des gros soldats très lourds. Après, ils sont très beaux. Mais comme toujours, les joueurs, les ennemis, ils s'en foutent. Il n'y a que les passionnés comme moi qui adorent les ennemis des jeux vidéo qui s'intéressent à ce genre de petits détails. Et je pense toujours à l'artiste qui a designé chaque ennemi d'un jeu. Je veux dire, un plaisir qu'il a dû prendre, potentiellement. Mon plus gros souci quand je fais une illustration, c'est de faire une ambiance. Nuit, jour, froid, etc. Comment est-ce que je m'y prends ? Alexis. J'ai oublié un... Oui, pardon. Truc. Du coup... Ah, si, je parle pas de derrière, parce que... Quand je faisais, en fait, quand je faisais un truc de nuit, je disais, je fais un fond noir. Et puis on verra ce qui ressort en lumière. J'utiliserai niveau, je mettrai du bleu. Okay. Et du coup, c'est la nuit.
Et je crois que j'en ai, en vrai, est-ce que j'ai même jamais fait un truc de nuit, en fait. Mm-hmm. J'y pense, je crois que j'ai fait toujours des trucs, soit il fait très moche, soit il fait jour. Mm-hmm. Mais de nuit, mais par contre, pour tout ce qui est, pour rendre quelque chose de froid, ouais. Le truc con, bah, c'est vraiment de faire en sorte que tes couleurs soient froides. C'est ça. Donc, reprendre les bases. Avec du blanc, bah, si déjà tu mets de la neige dans ton illustration, ça te paraîtra froid, parce que mm-hmm. derrière, on identifie la neige à du froid. Ouais, c'est ça. Par exemple, si on avait une, ouais, j'avais fait, c'était une rencontre d'un personnage contre un gros monstre cyclope. Là, j'avais mm-hmm. vraiment essayé d'être très froid. Je suis en train de chercher un truc. Je vais trouver. Je te fais signe quand j'ai trouvé. T'inquiète, t'inquiète. Qui réclame Fresco. Ah. Pas tout de suite, pas tout de suite. Les gens ne sont là que pour Fresco. Tu crois? Ça ferait plaisir, mais. Les gens essayent, je veux dire. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je me rends compte qu'on arrive pas très loin du moment où on a trop chaud dans cette pièce. Ça va. Franchement, mais pendant, je suis pas trop chaud. Je transpire pas. Est-ce ça se trouve, on ne sera pas mort à la fin. C'est ça. Est-ce que vous voulez toujours gagner des places pour la soirée de ce soir et retrouver Alexis en vrai, en chair et en os? Je suis beaucoup plus grand en vrai. Et plus beau. C'est beaucoup mieux. Me retrouver dans la même pièce que ce connard, jamais de la vie. C'est ça. Ce mec arrogant. Dire il vient sur un live pour parler de lui, quoi. C'est terrible. Mais venez, on va s'amuser. Venez, je pense qu'il y a largement moyen. Après, tant pis, vous serez debout, je suis sûr que ça vous dérangera pas. Vu que moi, je serai debout tout le temps. Ouais, tu seras debout quand on sortira le buffet. Avant, ça va. La présentation, je vais pas la faire assis. Je sais pas. Enfin, je sais pas, ça dépend comment... Tu vas voir selon la largeur des chaises. Ok. On a des vrais sujets. Je sais qu'il y en avait certains parents qui faisaient d'abord une petite présentation debout, puis après qui passaient à la démonstration. Donc on verra. Alors pour ceux qui sont intéressés par le Art and Talk, la question du jour ressemble beaucoup à la question que je pose d'habitude, hein, d'ailleurs. Paris. D'ailleurs. C'est pas ça. C'est que la dernière fois, c'était ça. T'as bien écouté. Hein. Dans quelle ville a lieu le Art and Talk? C'est genre, c'est la question. Ouais, juste attention, est-ce que c'est la question piège, hein? Est-ce que j'ai fait semblant? Donc, si vous trouvez le nom de la ville dans laquelle a lieu le Art and Talk, il faut répondre en message. Vous êtes quelques-uns à pouvoir participer. Je sais qu'il y avait le ticket for Antoine hashtag tout à l'heure. Par contre, si vous ne comptez pas venir, ne participez pas, parce que c'est toujours frustrant de vous tirer au sort quand vous ne voulez pas venir. C'est con. Voilà, hein. Alexandre a proposé Niort. Je vois que monsieur s'y connaît en assurance. Ah. Ouais, non, c'est spécifique, hein. Nouvelle question, quel est le premier artiste qu'Alexis a été influencé par? Ouais, alors... Là, ça deviendrait... Ça commence à être chaud, parce qu'on l'a jamais saisi et je suis pas allé chercher en ligne. Et oui, mais c'est ça. Mm. Seuls les vrais pourraient comprendre. Alors Guillaume vient de proposer une réponse. Antoine ne participe même pas, c'est abusé quand même. Tous ses copains se dévouent. Ah d'accord, mais lui il est en mode, ah non les gars, s'il vous plaît... Monsieur Antoine préfère rester dans son coin, il n'y a pas de problème. Non, mais je conçois. Je suis un homme très sympathique. Tu vas louper quelque chose. Ah bah voilà, ça se réveille. Tu vois, tout à l'heure, il y avait quelques gens qui étaient dans le chat et tout, on retrouvait à peu près les mêmes qui discutaient avec nous. Et là, ça y est. On a eu du monde. Visiblement, vous avez tous trouvé la bonne réponse, mais par contre, j'ai pas encore lancé le tirage au sort. C'est bête. Oui. On va attendre un tout petit peu, on va se laisser encore quelques secondes, quelques minutes. Pendant ce temps-là, le yokai avance tranquillement. Tranquillement, il fait son yokai chemin. Zombie. On ne sait pas. Écoute, c'est clair que ça fait très yokai avec
Je vais sans doute rajouter une petite langue en vrai. On verra bien avec une langue. Donc là, on ferait très yokai. Là, j'arrive à la partie que je préfère, c'est le travail du tissu. Tu remarqueras dans beaucoup de mes personnages, j'ai beaucoup de tissu. Le tissu, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le tissu, c'est ce que tu portes. Alors, par contre, ayant la lumière un peu dans les yeux, c'est pas facile de jouer avec les... C'était pour que tu sois luisant sur la... Voilà, mon crâne, il est blanc. On va éclaircir un peu. Et Guillaume a noté Ashley Wood, mais il a noté, il n'est pas le premier artiste influent, il a noté le deuxième artiste influent. C'est même le troisième, parce que le deuxième, je ne l'ai pas dit. Je le garde pour ce soir. Non, il faut garder un peu de suspense. Eh oui, hein, il faut venir, hein, si vous voulez savoir le fin mot de l'histoire. Là, je vous ai mis un peu de suspense. Hein. Ouh là là, qui est ce quatrième ? Bon, après, en soi, quand tu vas sur mon inventaire, tu peux aller chercher. Je l'ai mis. Tu l'as mis genre mon artiste favori. Mes artistes préférés. C'est ça. Mais de toute façon, ce qu'on cherchait, c'était surtout, la ville de, pour c'est ce soir. C'est plutôt mes piliers. Je fais partie des artistes préférés, mais il y a beaucoup de... C'est pas comme si j'avais que trois artistes hein, que j'adore. Oui, je sais pas ce que j'en... Là, c'est sûr qu'il y en a, il y a plein d'artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Notamment, dernièrement, c'est beaucoup Piotr Jablonski, qui est un monstre de chef. Voilà, c'est un des meilleurs qui existe. Et j'ai essayé de faire une illustration... basé sur ces techniques pour tester. Il y a un côté très bas, c'est celle qui se passe dans un champ en fait. Dans un champ. Ouais, enfin, on voit un peu de paille sur le dessus du champ. Ça date un peu. Vas-y. Elle doit être pas loin. Ah, celle-là. En fait, je sais, j'avais vu son côté un peu. T'as les silhouettes qui s'estompent un peu dans la brume, tu vois. J'essaie de faire un peu pareil. Je vois un peu sur la lumière. Bon, après, voilà, j'ai pas le même niveau, mais je m'étais vraiment éclaté sur celle-là, quoi. C'est cool de pouvoir retrouver, d'utiliser la lumière des autres, enfin l'idée de lumière des autres, essayer de comprendre un petit peu, démonter tout ça, ça pour les gens qui cherchaient du comment on fait, ouais, comment on fois, progresse. En fait c'est de tenter des fois, vous dites pas que vous allez forcément faire une illustration quand même, mais des fois juste tenter. Parce que celle-là j'avais vraiment tenté en fait, même le personnage, la lumière, ça peut arriver par accident, je faisais des tests en fait, je me suis dit tiens je vais essayer juste de mettre un peu de lumière. Et aussi, il y a un truc quoi. C'est à partir de là, en fait, j'avais juste le personnage et un peu de lumière là. Ouais. J'ai commencé à rajouter au fur et à mesure pour remplir, pour équilibrer l'image. C'est cool tout ça. Hop, allez, on repasse chez toi. Alors, puisque tous les gens qui étaient tentés par les places à gagner ont pu s'exprimer et ont pu voter, je vais lancer le tirage au sort. Vous êtes prêts ? Attention. Tambour. Gros roulement de tambour. Le résultat, et il vous reste moins de 30 secondes pour participer, c'était la ville de Paris. Normalement, vous avez tous ceux qui avaient envie de gagner étaient déjà là. Alors, en effet, nous connaissions la réponse, mais nous n'allons pas vous la donner. C'est ça, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et oui, il y en a certains qui ont mis Quimper, Nevers, mais non. Non, tous les gens qui ont répondu autre chose que Paris, c'est que vous ne pouvez pas venir, et ça c'est pas très très grave, on vous aime quand même si vous êtes loin, c'est pour ça qu'on fait les lives, c'est pour ça qu'on fait les sessions en direct, c'est en pour parallèle vous. C'est exactement et ça et en vrai c'est pour eux que je suis là. Ah. Tout après Patrice propose Nior aussi. Ah bien ouais. Pour la prochaine. Allez on est parti, 3, 2, 1 check. Et donc, le vainqueur, est, qui sera, je l'espère, avec nous, parmi nous, ce soir, ce sera Damien. Bienvenue, Damien. Damien, est-ce que tu es toujours là ? Coucou, est-ce que Damien. Tu es toujours avec nous ? Non, désolé, je peux pas, j'ai piscine. C'est ça, j'ai Aqua Art. Donc j'ai piscine. Alors. Sylvia trouve que c'est un peu loin pour elle, Paris. C'est oui, sûr, c'est dur. Ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent. Et surtout trouver après un logement tranquille pour rester sur la nuit, c'est pas franchement facile. Vaut mieux y vivre. Alors là, j'utilise une autre broche que j'aime beaucoup, celle que j'utilise souvent pour faire des lines, des croquis.
Parce que c'est d'ailleurs une des broches quoi, qui était de base dans Photoshop. Je ne sais plus s'il est toujours dans la nouvelle version, en tout cas dans CS6 c'était de base. Le principe c'était voilà, c'était je crois un crayon, tu vois, et j'aimais bien parce que des fois par exemple tu peux trouver des formes en faisant tu vois, des trucs comme ça, ça crée des. Ça crée des petits accidents, ouais, qui, des petits marchent accidents bien, qui marchent bien. Que j'aime beaucoup, et des fois justement dans, quand tu fais des croquis, des petits accidents, ça aide des fois à avoir des choses qui sortent un peu. Et donc il y a un grand plébiscite pour que Antoine récupère la place de Damien qui a déjà la sienne. Sérieux. Ok. Si ouais, c'est. Faut avoir envie de venir, il faut aussi ne pas avoir de place pour jouer. Oui, oui, sinon c'est un peu moins drôle si vous avez déjà vos places. À moins que ça soit du reselling, hein, après il en vend un peu plus cher, on va dire, ouais, mais c'est la dernière place, attention. Damien qui était très motivé pour te voir parce qu'il avait déjà pris sa place il y a 2 mois. Alors Damien, il y a 2 mois quand t'as choisi, là, tu quand t'as pris ta place. Premier rang. Ouais. Est-ce que t'avais quelque chose de particulier à dire à Alexis ou est-ce que tu préfères que ça reste dans l'intimité de la soirée tout ça? Par contre, je ne veux aucun contact avec les. Avec les gens. Non, surtout pas. Est-ce qu'on a mis une vitre quand même. On a mis un plexiglas devant. Il arrive en Dead Slug mobile. Tien Sangdin a une question pour un portfolio caractère design. Est-ce que c'est utile de faire un painting limite illustration ou est-ce que je peux laisser mes sketchs propres avec couleur plat et allitération? C'est-à-dire genre un process ou L'idée de faire son portfolio quoi. Ouais, les recherches. Oui, c'est genre qu'est-ce qui serait mieux pour un portfolio pour un caractère artiste? Bah principalement des personnages. Mais après si c'est des personnages avec un décor comme je le fais, il n'y a pas de problème. Parce que ça ouais, je comprends. Tu souvent, on demande quand même un petit peu de faire des fois un peu de présentation, décor, ça peut arriver. Mais disons que voilà, c'est, si tu veux que ce soit ta force première sur les personnages, vraiment les mettre en avant. Quitte à des fois, comme moi, la plupart du temps, je fais des fois un personnage sur un fond noir. Parce que c'est, des fois, j'ai pas envie de mettre un fond parce que c'est chiant. C'est ça, ça fait plus de boulot, ça fait 2 fois plus de boulot d'avoir. Voilà, puis l'environnement, c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus. Pour moi, un environnement, c'est juste là pour mettre en avant le personnage. Alors j'ai raté la question d'Ozo tout à l'heure, hein, qui du coup il est un peu vexé, surtout qu'il a posté plein d'autres trucs. Zo, est-ce que j'ai raté tout de suite. Ouais, c'est ça. Est-ce que Alexis aurait des conseils pour choisir un univers à développer quand on doit créer un portfolio? Bah moi, pour parler par rapport à ce que j'ai fait, moi j'ai pris juste comme j'ai dit ce qui me faisait kiffer quoi. Essayer de mélanger ce qui vous plaît, essayer de voir après si ça a un sens. En fait. Bon, c'est bien gentil de vouloir mélanger tout et n'importe quoi, si ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Il faut des fois un peu couper un peu autour. Quoi. C'est comme une petite sculpture, un univers. C'est plutôt une boule de catamari, tu vois. Tu rajoutes des trucs, et puis à un moment il faut peut-être en enlever un peu. Faut peut-être être capable d'enlever le. Ah, faut être garder fois, l'essentiel, quoi. Voilà, pour que ça prenne forme. Et Alexis, Damien nous demande, outre Photoshop pour finaliser ton illustration, est-ce que tu utilises par exemple la photographie pour la recherche ou un iPad pour le croquis? L'iPad pour le coup je ne l'ai pas encore testé.
Ok. Mais pour ce qui est de la photographie, c'est-à-dire en tant que référence, le Ouais, genre je de photo pense. Pour bâche, finaliser ton illustration, parce que je sais pas finaliser, comment. je Ouais. vois pas trop non plus. Est-ce que c'est en Ah, mode est-ce que laisser une photo? mettre ton perso dans le. Ah, sur une photo, Ah, je sais par pas. exemple. Ouais. Ça, non, je le fais. Ouais, c'est vrai que je crois qu'il y a des logiciels, en gros, qui, parce que à Ubisoft, on travaillait avec mes collègues et ils bossaient beaucoup avec, je sais plus c'était quoi comme logiciel. Mais en gros, ils avaient un objet en 3D et ça permettait de les placer sur une photo à peu près, je pense. D'accord, comme ça permettait de Ouais, les d'établir une imaginer dans base. l'environnement. Et ouais, la plupart, en gros, de tous les drones qui ont été faits, Ouais. la plupart ont été placés sur ça pour mettre un peu en ambiance. Et du coup, ça fait vraiment, bah, c'est vachement pratique. Pour ceux qui font de la 3D, du coup. Dans leurs illustrations. Mais pour le coup, moi, perso, non, je finis tout, surtout Photoshop. Hein. Surtout Photoshop et pas Oui. forcément sur la tablette. Voilà, y a pas de. Ouais. Parce que Photoshop me permet vraiment de peaufiner mes images comme je l'entends. Ce qui peut être largement suffisant. Et de temps en temps, oui, j'utilise un peu de photo bâche. Hein. Mais c'est sur des trucs que je sais pas trop gérer, genre les environnements sont bien. Ouais. De Spirited, il y a beaucoup de photos. Parce que aussi j'aime bien le côté un peu contradiction, t'as le décor qui est très réaliste, mais les personnages qui sont justement très stylisés. C'est Alors pour tout ça, en même d'ailleurs. temps c'est une excuse juste pour que je n'ai pas à dessiner de bout en bout un Ouais, non, décor. c'est peut-être ça, quoi. Même si j'aimerais, Est-ce que les caractères au artistes fur et à sont. mesure j'apprendrai je pense. C'est juste qu'ils sont plus focalisés ou est-ce qu'ils sont. Moi perso en tout cas je suis plus focalisé sur les persos, j'essaye vraiment d'en faire ma force. Qu'on s'intéresse plus pour mes designs potentiellement que sur mon style. Puis après j'essaie de marier les deux. Mais plus tard, en fait, j'ai quand même envie d'essayer quand même de maîtriser comme ce qu'ils ont fait sur Spider-Verse, Spider-Verse, genre ouais. tellement ouf. Mais je me dis, ça va, j'ai encore le temps, tu vois, j'ai Et que 2 ans t'attends. d'expérience. Mais Ouais. dis, dans 10 ans, Dans on verra où j'en serai. 10 ans, on y viendra. Et alors, pour répondre, moi, à la question de Damien sur l'iPad pour le croquis, juste une toute petite info, mais vous l'avez sans doute vu passer, vous en avez sans doute entendu parler. On en reparlera. Je vous le dis pas, je vous le montre. Si vous avez une tablette type iPad, vous pouvez précommander ça pour le 24 septembre. Voilà, je vous en dis pas plus, vous êtes tous hyper malins et vous avez tous compris ce qui était en train de. Là, s'ils n'ont pas envie de cliquer, C'est ça, hein. On ne peut pas cliquer sur l'écran de YouTube. c'est sûr. Mais S'ils n'ont pas envie de voilà, chercher. on va se parler de ça prochainement, très prochainement. Voilà. Pour l'instant, on retourne sur Photoshop. C'est bien Photoshop aussi. C'est très bien Photoshop. On peut faire plein de trucs. Faire des tonnes de trucs. Tu n'es limité que par ton imagination. Ah, Damien pensait en fait à Florian Dégézincourt, qui se base beaucoup sur de. Qui se base de beaucoup de photographies pour développer ses concepts. Après, là, tu sais, les noms comme ça, j'ai toujours du mal. Donc, si tu me montrais ces illustrations, là, je pourrais me dire, ouais, je vois. Ah, mais je vois très bien Mais qui c'est. oui. Moi, De je me rappelle Gézincourt. souvent, c'est pas au nom, parce que j'ai du mal avec les noms. Donc, c'est Il se fait appeler souvent. De Gézart. Regarde, il fait des choses comme ça, c'est joli aussi. Ah, bah oui, je connais. Pour le coup, oui, bah, là, comme c'est un truc vachement plus réaliste, quand même, que ce que je fais, plus poussé, c'est normal que pour avoir des trucs comme ça, surtout là, c'est très environnement. Hein. Donc, là, c'est limite, bah, c'est normal de t'inspirer de ce qui existe. Et des fois surtout, ce que j'aime bien des fois, c'est utiliser des trucs de bâtiment qui n'ont rien à voir et juste les replacer dans Quand tu les un autre replaces contexte. Ouais. hors contexte, En ils vrai, arrivent du coup, à. la forme que ça donne, des fois, ça donne des trucs assez stylés. Juste en le déformant un peu, genre la taille, les proportions. Donc en vrai, je sais pas à 100% comment il fonctionne lui. On essaiera de lui poser la question un jour. S'il vient. Mais oui, je sais pas d'où il vient ce garçon. Hop, il est concept artiste à Montpellier. Ah bah non, mais s'il est à Montpellier. On descendra faire un studio à Montpellier, il y a trop de monde là-bas. Sinon, vous lui payez le billet. On peut faire ça, on peut imaginer ça. Mettre un peu de budget là-dedans, c'est pas facile, c'est Non, ric-rac. non, non, mais c'est. La grande question, c'est. Est-ce qu'il a le temps? Parce qu'il a l'air de bosser beaucoup aussi, ce C'est garçon. sûr, les messieurs, des fois, ils sont occupés. Bon, en tout cas, ouais, je vois que Teichi Boost a dit yes au moment où j'ai sorti le petit screenshot de tout à l'heure. C'est que Je c'est bon pense que, signe. voilà, vous arriverez à trouver ce dont je vous parlais tout à l'heure. Wink Regard entendu. D'ailleurs, si jamais ce soir vous avez vos tablettes les uns les autres, n'hésitez pas à passer en mode précommande. Ah, mais lave-la, la fameuse brosse du début. ouais, mais je l'utilise C'est depuis le celle que début en t'as fait, depuis hein. le début, ouais, je Je t'ai dit regarde brosse pas. magique, je fais tout, Moi, oui. je regarde que le résultat. Ah bah oui, mais c'est normal, comme tout le monde. Je vois quand t'as la main levée du clavier. Bastien et Jessica à Montpellier aussi, du beau monde, ouais, tout à fait.
Oui, tout très à beau fait. monde à Montpellier, oui. C'est un peu l'idée. Il y a un peu du baume partout. Il y a des villes où c'est des pôles, en fait, l'impression. Je crois que c'est des pôles, ils mettent des écoles, ils mettent des studios. C'est vrai que Valenciennes, il y a du monde, mais c'est plus des étudiants. Et bizarrement, après, ils restent pas, je sais pas pourquoi. Eh ben, s'il n'y a pas le boulot sur place, ils restent pas. Puis surtout que c'est moche. En vrai, c'est pas très très sympa. Ah, je peux dire, Valenciennes, c'est pas la plus belle ville de France. J'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé mon... Mais je dirais que je suis quand même content d'en être parti. Parce que c'est pas... Mais si moi j'étais dans un coin assez joli. Mais le reste, voilà, j'étais juste dans mon petit coin de paradis là-bas. Yamag nous rappelle que le prochain artiste vient non pas de Montpellier mais de Rennes. Ce sera Ronan Le Fur. Oui. Il devra passer après moi, c'est difficile. Ouais, ça va pas être facile, mais on lui laisse un mois pour que les gens aient oublié. Mentalement. Ah, c'est ça, réservez vos billets de train et vos Airbnb. Et à quel moment sur une illus tu sais que t'es arrivé au terme d'un truc ou t'es un... Quand je vois plus trop comment avancer quoi. Sinon je me suis rendu compte que pour quand je progresse en fait c'est le moment où je me dis je peux aller encore plus loin. Ouais. Parce que des fois je regarde des vieilles histoires, je me dis ah, j'aurais pu pousser. J'aurais pu en faire 4 heures de plus. Ouais. C'est quoi cette. Puis des fois je pousse des fois un peu trop loin, je regarde certaines histoires, je me dis trop détaillé ou des fois il y a des histoires que c'est justement un peu. Pas fantomatique, mais tu vois, un peu suggéré. Ouais. Enfin, j'aime bien quand c'est ça, suggéré. Ça marche bien. Ça donne un petit côté. Moi, j'aime bien essayer d'avoir une image un peu plat, tu vois. Pas trop volumique, tu vois. Genre, essayer de. J'ai entre les volumes et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop non plus. Que... Un peu, là, comme j'avais dit, un peu la piotre. Ces images, des fois, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de volume, mais en même temps, il y a une espèce de sensation que c'est comme si c'était plat. Tu vois. Ouais. Si c'était sur un même niveau, je sais que j'aime bien. Il y a Sylvia qui nous demande une question qui n'a pas de rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut changer la couleur du curseur ? Pas à ma connaissance, ça je l'ai jamais vu. Tu peux custom ton curseur, je crois. Ouais, j'ai vu changer sa forme pour pouvoir voir soit la forme de votre pinceau, comme on voit ici avec ta petite forme de après, je sais pas si elle parle de curseur en termes généraux dans le PC. Ou non, que... je pense que ça doit parce être que là, oui, tu peux changer quand c'est le cercle de transformation, tu peux changer la couleur. Tu sais, quand tu changes la taille, tout ça. Oui, après, c'est juste changer le rouge. Mais si c'est la couleur de la taille de la forme, il essaye de la mettre en fait à l'opposé de ce que vous avez. Je conseillerais quand même de garder le blanc parce que ça te permet de la voir. Enfin, parce que en gros, elle est plutôt en négatif, je crois, c'est ça. Elle est à 50% sur la couleur, en fait. Enfin, elle se base sur un gris 50%. C'est vrai que quand c'est sur noir, ça devient noir, et quand c'est sur blanc, ça tout devient noir. Tout à fait. Ce qui fait que c'est plus visible. Parce que si tu commences à travailler sur une illustration où ton curseur est rouge et que tu fais que du rouge partout, tu vas te perdre, quoi. C'est ça. Et vous pouvez faire le test vous-même sur vos Photoshop, si fond blanc, curseur noir, fond noir, curseur blanc. Et fond intermédiaire, couleur au choix. Ça commence à prendre fort. Hein. Ce sont des bonhommes de chemin. Je vois ça. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a non, je parle de ça. Ah, de la question. J'ai toujours le curseur blanc, quel que soit le fond. Ouais, ça me semble plus étrange. Normalement, au-delà de 50% de gris, il change de couleur. C'est-à-dire que quand c'est blanc, tu ne vois pas ton curseur, en fait. Donc, c'est pas très bizarre. Ou alors, il aurait trouvé le moyen de changer les couleurs du curseur. Mais ça... Alexandre, ça s'étonne qu'on soit toujours là. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'il est 48. Ça va, on a encore un petit peu de marge. Au pire, je la continuerai pour plus tard.
tout à l'heure pendant le pendant la session. Là, pour le coup, est-ce qu'on pourrait peut-être montrer un peu comment fonctionnent les gradients de map? Ouais, ça, vas-y. Parce que là, même si c'est pas fini, juste pour montrer des fois un peu le, la technique de coloration. La petite technique couleur, vas-y. Alors bon, souvent, des fois, j'ai quand même... Genre, avant de mettre des grains de mode, je le fais à la fin, l'illustration. Mais avant, je mets toujours un minimum de couleur. En fait, je me dis, ouais, telle écharpe, elle va être peut-être bleue, peut-être quelle couleur, au moins un minimum, tu vois. Comme ça, ça sera peut-être marron, la peau sera peut-être un peu verdâtre, je ne sais pas. Puis à partir de ça, les couleurs ne font pas forcément matcher ensemble. Ouais. Mais une fois que tu mets le gradient de map et que tu commences à gérer un peu sur tes... Alors, on va essayer, hop, la map de base. Alors, partons de rien. Voilà. Rien, c'est-à-dire tu as du noir en entrée, du blanc, du noir en sortie, du blanc en entrée, blanc en sortie. On va essayer avec peut-être un peu bleu. Tiens, on va essayer un peu de bleu. Et un peu de... On va mettre ici. On va mettre. Des fois, ça fait des trucs un peu bizarres, j'aime bien. Hop. Ouais, du coup, c'est la densité de la couleur qui va. Voilà, enfin, pardon, la densité de la lumière qui va changer la couleur. Voilà, le principe. C'est un petit truc de fou de temps en temps, mais tu vas mettre une couleur un peu peut-être différente avec une autre. Le but après c'est je reste rarement des fois avec juste le calque simple de base. J'ai souvent essayé après c'est le but c'est de tester plein de modes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se détache, qu'est-ce qui va permettre d'isoler les parties. Des fois on arrive à des API acceptables, quoi, des trucs vraiment des effets. Enfin, beaucoup de mes illustrations des fois c'est juste des effets que j'adore. C'est juste des accidents des fois. Parce qu'en fait c'est dans le gradient de map, des fois les deux couleurs sont très proches. Du coup ça fait en fait des lignes très marquées dans les ombres. Ouais. Ça donne un petit effet très sympa. Il y a Longmire qui dit c'est possible de se faire une palette de couleurs valable uniquement avec les gradient maps. Ouais, carrément, parce que le nuancier que tu viens de faire, là tu peux créer, tu peux l'enregistrer. T'as le petit menu enregistré. Fais nouveau. Voilà. Et hop. C'est pour ça que moi-même j'ai ma propre galerie de gradient maps. Que tu utilises à chaque illustration. Des fois je teste. Et des fois quand je trouve pas, j'en remets un nouveau. Je dis un nouveau mélange de couleurs que j'aime bien. Et pareil, des fois on trouve sur des trucs, des petits accidents sympathiques. Carrément. Non, non, c'est bien ça. C'est la petite astuce qui va bien pour un peu comprendre comment ça se met en place. Après, si vous avez besoin de vous exercer sur ça, moi je dirais testez-le aussi avec l'arc-en-ciel. C'est tout moche et tout pourri, mais au moins ça vous permet d'identifier réellement vos valeurs et de vous dire bah tiens, là je sais que je suis dans les tons très foncés, là je sais que je suis dans les tons plus clairs, etc. avant de démarrer. Là, voilà, je vais me contenter de cette petite base-là et souvent après, voilà, je teste. Et après, tu testes les différents effets. Alors là, ça, dommage, ça marche pas parce que d'habitude, quand je fais la petite flèche. Benjamin nous a dit qu'il avait pas changé son. Ah, c'est dommage parce que là, d'habitude, quand tu as une round, ça sélectionne la zone ici. Ce qui fait que tu as juste besoin d'appuyer sur les flèches et ça fait défiler tous les styles de calque. Soit que là, bon, je dois le faire manuellement, mais d'habitude, en principe, ça fonctionne comme ça. Bon, après, souvent, je repasse souvent par les mêmes. Soit éclaircie, soit superposition, souvent les deux premiers en fait de chaque petite catégorie. Des fois on trouve des trucs sympas avec les autres, mais c'est plutôt rare. Luminosité sympa aussi parfois. Mais là en éclaircie on a quand même quelque chose de sympathique, un petit effet, un petit quelque chose. Je dirais que ça pourrait être une base, tu vois, des couleurs. Après ce que je fais c'est que j'en rajoute encore. Moi je suis toujours un peu. En vrai, là sur la clé, j'ai pris quelques de mes derniers travaux, tu vois, avec tous les calques. Et là, tu peux te rendre compte à quel point, des fois, c'est le bordel pour les couleurs, parce que je suis toujours rajouté encore. Là, pour le coup, je suis vraiment perfectionniste sur ce qui est des couleurs. Tiens, c'est ça que tu. D'habitude, j'ai ça, moi, quand je suis sur Photoshop, tu fais majuscule plus. Ah, d'accord. J'étais en train de le rechercher, parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Et ça te permet de parcourir, donc pour les gens qui sont sur Mac, majuscule plus, ça vous permet de parcourir les différents... Majuscule moins, c'est pour descendre, non? Ou sinon, ça fait le tour? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que sur depuis pas longtemps... Hop, regardez, je passe devant, check. Depuis pas longtemps, en fait, quand vous avez une...
quand vous avez deux types de calques, vous sélectionnez le premier et vous pouvez aussi avoir la vision en direct sans relâcher la, sans quitter le menu. Donc comme ça, vous le voyez vraiment de manière efficace pour pouvoir ressortir tout ça. Je ne sais pas si c'était dans la version de Benjamin ou pas encore. Ouais, on essaye de donner la petite astuce pas mal à la fin pour justifier que vous ayez tenu pendant 2 heures. Voilà. Sinon, ça sert à rien. Strictement rien. Faire défiler sur masque, sur Mac, outil déplacement, majuscule, shift, plus. J'étais un peu perdu. Petite astuce, j'ai pas envie de perdre du temps et j'ai envie de tout essayer. Yep. Et oui, c'est une nouveauté de 2019. Donc il doit dater du mois d'octobre. Il y a toujours des nouveautés, c'est incroyable. C'est magique. Vous voulez dire que Adobe est à l'écoute de ses consommateurs? Tu me cherches? Bien sûr que, bien sûr. Est-ce que tout le monde ici connaît l'existence des forums Adobe qui ont changé d'adresse d'ailleurs? Maintenant, les forums Adobe sont sur community.adobe.com. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui vous intéresse sur vos différentes applications. Et si community.adobe.com ne vous suffit pas, eh bien vous pouvez toujours passer, pour les gens qui sont sur Photoshop, sur feedback.photoshop.com. Et c'est là que vous allez pouvoir poser toutes vos questions pièges. Vous allez pouvoir aussi proposer, visualiser vos problèmes et suggérer de nouvelles idées sur Photoshop. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans les idées, eh bien vous verrez que vos idées, parfois, elles ont été prises en compte. Elles ont été traitées, étudiées, planifiées et très souvent implémentées, mine de rien. Parce qu'on se retrouve ici avec 675 idées implémentées à l'intérieur des différentes applis. Et des idées des utilisateurs. Merci Alexandre pour les liens. Yay. Du coup, avec la langue, ça fait un yokai tac. Hein. Un peu. C'est toujours la petite touche. Il n'a pas les oreilles de chat, celui-là, mais il a la langue pendante. Au pire, peut-être après, je lui mettrai un joli collier ou je sais pas, des écouteurs. D'ailleurs, c'est récent que j'ai appris qu'en fait on dit pas Adobe mais Adobe. C'est parce que avant tu fréquentais pas des gens qui parlaient aux Américains de chez Adobe. Si tu parles que qu'à des Français. En fait, c'est depuis que c'est Ubisoft, les représentants d'Adobe qui sont venus pour nous parler de nouvelles choses. Et là, ils nous ont dit Adobe, tiens, on se dit. Ah, mais Adobe, c'est une autre boîte, on connaît pas. Adobe, mais Adobe, qui, c'est quoi? Qui sont ces gens? Et là, on a eu la réflexion, mais oui, c'est Adobe, c'est comme ça que ça se prononce. Tant d'années et tant de mensonges. C'est ça, c'est dur ça. C'est juste découvrir un nouvel univers de choses. Ouais, c'est ça. Bah, ça m'a inspiré énormément. Après, je t'avouerais qu'avec les potes, tout ça, on utilise toujours Adobe parce que ça réflexe. J'ai du mal encore le faire le Adobe. Mais je crois que les Espagnols disent Adobe. Ah, bah, en même temps, oui. Vous avez la langue bien chargée, monsieur. Oui, un peu malade. Il va vous falloir un petit peu de repos.
D'accord, docteur. Il y a un message. Eh oui, un message de prévention. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il donne en grand, ce yokai ? Hop. Tout à fait. Je peux toujours... Hop, hop, hop. Une bonne silhouette. Mais à partir de ça, je peux rajouter plein d'éléments. Tout un tas de petits détails. Un petit squelette, voilà. Enfin, ça sera, voilà, après être peaufiné sur ce qui est du chapeau, faire en sorte qu'on voit bien les morceaux de bois, tout ça. C'est vraiment. Et alors, depuis tout à l'heure, pour info, ton fichier s'appelle toujours sans titre 1. T'es du genre pas prudent, c'est ça? Oui, non, mais c'est l'effet du live. D'habitude, ne t'inquiète pas que je suis prudent. Je fais des sauvegardes partout, sur le cloud, sur le... Stéphane nous dit, les gens d'Adobe, ça devait être moi. Oui, c'est sûrement toi, Stéphane. Mais si tu veux rencontrer Alexis, viens ce soir... Art and Talk, ça nous fera très plaisir. Les gens aiment bien te croiser. Tiens, vas-y, fais-nous un WF. Donc je pense que je la continuerai, je pense, ce soir. Pour les... Tranquillement, pour les gens qui nous ont... Les élus. C'est ça. Les Happy Few. Yep. Et Antoine, qui est très Happy Few. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Pour ce temps, merci beaucoup pour l'illustration, les petites astuces, les compréhensions. Merci d'avoir répondu à toutes les questions pièges de notre audience. Mais non, puis elles n'étaient pas complètement pièges. On avait Moi j'aime bien les questions. Ça tombe bien. Ça tombe bien pour le soir, c'est important. On en garde un petit peu. Je pense que là ce soir, j'espère en tout cas. Ça serait triste s'il n'y avait pas de questions. Alors, les gens qui viennent ce soir, n'oubliez pas votre liste de questions. Il faudra la soumettre à l'approbation du comité de validation des questions. Parce que je veux au moins savoir les questions qu'on va me poser. D'avance. C'est ça. Comme tout bon politicien. Bien, et bien sur ce, merci beaucoup. À très bientôt. Nous, on se retrouve mardi pour les habitués de la chaîne YouTube. On est toujours là, 10h, de 10 à 11 et de 12 à 13. Et on continuera mardi prochain, le jeudi 26, je reçois Francis Chouquet. On va faire du lettering en direct. Enfin, il va faire du lettering. Et moi, je vais commenter, genre. C'est ça. C'est mieux sur le côté. Et puis voilà, on continue comme ça. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut.